bien l'effet que fait ce micro. Bonsoir et merci de m'avoir invité pour une nouvelle petite conférence en pays de Béarn, où je me sens très bien, à vrai dire, et c'est cité de ma patrie gersoise que je viens avec plaisir vous raconter mon histoire. Alors mon histoire, c'est simple, c'est l'histoire d'un apiculteur gersois au départ, breton aujourd'hui, et qui a passé une certaine partie de sa vie à Paris. Pourquoi tout ce chemin pour l'apiculture? La chaussure. Mes parents avaient des ruches dans le Gers, est arrivé le colza, et une année, dans les années 77, quelque chose comme ça, sur les 25 ruches, ma mère en a perdu 24, le même jour, parce que notre voisin agriculteur avait traité son colza avec des produits, machin, on ne sait pas. Ça a plié nos ruches et ça a surtout décidé ma mère à tout arrêter, tellement ça l'avait affecté. Donc l'apiculture gersoise et fait du colza, à l'époque, c'était redoutable. La situation s'est améliorée depuis, enfin, on a pris un grand coup sur la tête. Ensuite, j'étais parisien. Et là, j'ai constaté une chose au fil du temps, c'est que les abeilles urbaines étaient relativement tranquilles. Personne ne venait leur filer des grands coups de pesticides. Et quelque chose que je vais développer longtemps ce soir, quelque chose d'assez remarquable, elles ont toujours, tous les jours à manger. Pourquoi les abeilles sont peinardes en ville? Parce que, on leur fout la paix, ça c'est sûr, mais surtout parce qu'il y a à manger tous les jours de la vie. Et puis ensuite, je suis par mon épouse breton. Et là, j'ai constaté que, certains milieux agricoles, même s'ils étaient intensifiés, étaient tout à fait permissifs et bénéfiques, entre guillemets, pour les abeilles et les ruches, à condition de mener un certain nombre de pratiques, à la fois du côté des agriculteurs, mais aussi du côté des apiculteurs et des planteurs. Donc, voilà, mon circuit m'a ouvert les yeux sur un certain nombre de choses et sur certains problèmes qui me permettent aussi de vous parler de comment j'anticipe un petit peu ce qu'on appelle le réchauffement climatique et la perte de biodiversité et comment il faut voir les choses et comment imaginer une solution. Et je vous ai mis la solution en rouge au milieu, parce que ça va être le fil conducteur de tout ce que je vais vous raconter. La solution pour les abeilles, mais aussi pour la biodiversité, batraciens, insectes, non-pollinisateurs, pollinisateurs, abeilles, oiseaux, etc., c'est le pollen, du pollen tout à l'heure. Vous avez la réponse dès le départ de mon exposé, ça vous permettra de tout mettre en contexte. Alors, je vais commencer par le climat. Donc, le réchauffement climatique, alors, ça s'explique de façon relativement simple par les chiffres. Depuis les années 50, qui était la base de l'exposé, nous avons pris environ 1,5 degré de température moyenne sur l'année. Alors, 1,5 degré de température moyenne sur l'année, ça veut dire quoi? Ça veut dire à l'hiver, il y a 1 degré de plus, et à l'été, il y a 2 degrés de plus. Enfin, bon, les climatologues font leur sauce et ils disent, allez, 1 degré sur l'année. Ça veut dire quoi concrètement? Concrètement, ça veut dire que, les agriculteurs le savent, les vendanges, depuis les années 50, ont avancé d'environ un mois. Ça veut dire que le cycle de la vigne, qui est le cycle que l'on observe le plus et le mieux depuis les temps historiques et mémorables en France, s'est raccourci. La vigne fleurit plus tôt et mûrit plus tôt, un mois. Ce qu'a vécu la vigne, qui est documenté, il faut se dire que l'essentiel de notre flore l'a vécu. Dans les années 50, on disait qu'il fallait ramasser le tilleul au mois de Gers pour la Saint-Jean, fin juin,
Maintenant, si vous voulez ramasser du tilleul fin juin, il va falloir peut-être aller à Montelois. C'est dans le Gers, c'est fin mai à début juin. Donc, ce qui s'est passé pour la vigne, s'est passé pour toutes nos floraisons. En grande partie, elles ont gagné 3 semaines à 1 mois. Le réchauffement, c'est plus de chaleur et une accélération des cycles biologiques. C'est de la biochimie, plus il fait chaud, plus les molécules s'agitent, plus les réactions vont vite et plus les organismes vont vite. Nos flores ont avancé leur floraison à l'été, de 3 semaines à 1 mois, et au printemps, de façon moins spectaculaire, d'environ 1 semaine. Donc on a commencé à compacter tout ça et à raccourcir le cycle. Il faut savoir aussi que on nous prédit dans les modèles climatiques 1,5 degré à 2,5 degrés selon l'optimisme ou le pessimisme des scientifiques d'ici 2050. Et il faut savoir que 1 degré de plus, c'est 8 à 10 jours d'avancement des floraisons. Donc 1 degré 8 jours, 2 degrés 15 à 20 jours. Donc en 2050, ça vous met le tilleul à mi-mai. Le châtaignier, 3e semaine de mai. Tout ça pour vous dire quoi? Avec le réchauffement climatique, notre flore actuelle va se compacter ses floraisons, les avancer davantage. Les derniers arbres, grands arbres à fleurs chez nous, c'est ou le tilleul ou le châtaignier, selon les zones et la nature des sols en France. Tous ces grands arbres, allez, fin mai, début juin, ça sera fini. Ça veut dire que de fin juin jusqu'au lierre, qui est l'autre marqueur important dans les cycles floraux qui intéressent nos abeilles mais aussi la biodiversité, on va avoir un trou qui s'élargit de plus en plus. Le lierre, contrairement aux arbres dont je vous ai parlé, tilleul et châtaignier, le lierre ne fleurit pas en fonction de la chaleur, il fleurit en fonction de la durée du jour et de la nuit. Lorsque les jours diminuent et donc que les nuits augmentent, comme le chrysanthème à la Toussaint, le lierre fleurit tous les ans, pratiquement la même année. Le lierre, c'est la lumière qui le dirige. Très peu de plantes importantes pour la biodiversité sont comme le lierre, mais il y en a. Elles sont bornées par la durée du jour et de la nuit. Donc, entre l'essentiel de notre flore qui va... C'est comme ça qu'il faut que je fasse janvier, février, mars. Mais le lierre, vous voyez le trou. Alors, traditionnellement, ce trou, c'était quoi? C'était les petites fleurettes des prairies naturelles. Dans les prairies naturelles, ce qu'on appelait les prés autrefois, il y a toujours des fleurs qui fleurissent toute l'année, tous les mois de l'année. Il y avait aussi les ronces. Avant le lierre, les ronces fleurissent longuement, les bruyères, etc. Toute une flore dite secondaire, un peu cachée de sous-bois, de fossés et de prairies naturelles, comblait ce trou. Entre les grands arbres mellifères et le lierre, il y avait à manger dans la nature. Ce qui s'est passé, en plus du réchauffement climatique, c'est qu'on a largement labouré les prairies naturelles. Il y a des régions entières de polyculture qui sont parties sur la monoculture de maïs ou sur des, comme dans le cas de Mongers, des alternances colza, céréales, etc. Nos prairies naturelles ont largement été labourées. On a perdu ça. La deuxième chose qu'on a perdue, ce sont les ronciers. Les ronces, c'est la flore la moins aimée de France, j'ai failli dire. On passe son temps en France à nettoyer les bas-côtés, pas seulement ce qui est au bord de la route, mais aussi le fossé et puis le talus sur le fossé. Et on a consciencieusement et méthodiquement enlevé les ronces, faisaient partie de ces végétaux un peu semi-naturels qui envahissaient un peu tout. Donc on a perdu aussi énormément de ronces. Bilan des courses, entre les derniers arbres qui fleurissent
la majeure partie de notre flore, floraison printanière début d'été, et le lierre, il y a de plus en plus des dizaines. Le réchauffement climatique amplifie ces dizaines. La deuxième chose que le réchauffement climatique fait, c'est vrai pour les abeilles, mais c'est vrai aussi pour d'autres insectes, c'est que les hivers sont doux. Quand il y a un hiver, les hivers sont doux, ça veut dire que les apiculteurs le voient bien. Une abeille, ça sort quand il fait 8-10 degrés. Très régulièrement, vous avez des abeilles qui sortent en hiver. Vous avez des abeilles d'or à Noël, vous avez des abeilles en janvier, en février, elles sortent. Des abeilles qui sortent sont des abeilles qui ont envie de se dégourdir les ailes, on va dire ça comme ça, d'aller faire leur petit vol de propreté, mais elles sortent aussi parce qu'elles vont chercher à manger. Comme il n'y a rien dans notre végétation en décembre, janvier, février, les fleurs, on ne peut pas dire qu'il y en a beaucoup. Elles sortent, elles dépensent de l'énergie. Les hivers doux sont des hivers qui coûtent de l'énergie aux insectes qui sortent et aux abeilles, ce qui fait qu'on peut avoir plus de mortalité dans les ruches un hiver doux qu'un hiver froid. Un hiver froid, tout le monde reste à la maison, on se calfeutre, on ne bouge pas, et on vit sur les stocks et on se réchauffe. S'il fait doux, on commence à s'agiter. C'est comme une voiture, si elle ne bouge pas, elle ne consomme pas. Une abeille qui bouge, consomme. Donc, en clair, le réchauffement climatique, c'est des périodes à moindre floraison, voire pas du tout, qui s'allongent à l'été et à l'automne, et des hivers doux où tout le monde s'amuse à sortir sans qu'il y ait rien à côté. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que par rapport, là ce que je vous dis c'est pour les abeilles, mais imaginez que pour les papillons qui peuvent sortir aussi, que pour d'autres insectes, mouches et autres, qui sortent quand il fait doux, s'il n'y a rien à manger, pour eux c'est une perte sèche, voire même c'est plus grave qu'une perte sèche, c'est la mise en danger de leur existence. Ça veut dire que notre flore, telle qu'elle est au jour d'aujourd'hui, face à ce qui arrive comme le climat, ne répond plus aux attentes de la biodiversité dans de nombreuses périodes de l'année. Ça, c'est la première chose. Donc, le défi climatique, c'est que nous avons une flore qui a été conçue, entre guillemets, par une évolution climatique. Alors, je vais y revenir, mais je vais vous le dire dès le départ. Notre flore locale actuelle, en grande majorité, est une flore issue d'une remontée historique. Il y a 14 000 ans, la France était ou un glacier ou des zones vides, des toundras, de l'herbe gelée avec des mammouths. Pour imaginer la chose, il n'y avait plus d'arbres. 14 000 ans, tout ce qui existait avant, qui était avant les glaciations, il y avait des mammouths dans le Gers. Vous imaginez, non, pas des mammouths, il y avait des rhinocéros et des, comment on les appelle, là, ceux qui baillent dans l'eau, là, les hippopotames. Il y avait des hippopotames dans le Gers. Ça veut dire qu'il y avait une sacrée flore avant les glaciations. Après, sont arrivées les glaciations, tout le monde descend, plus rien. Quand je dis plus rien, c'est que toute notre végétation a été à quelques herbes près lessivées. C'est vrai pour toute l'Europe et c'est moins vrai pour certaines parties du sud de l'Espagne et de l'Italie. Les glaces n'ont pas envahi la totalité de l'Europe. Et certains coins de la Méditerranée, y compris de notre côté, sans parler de l'Afrique du Nord, sont restés hors gel et ont pu garder une partie de la végétation historique avant les glaciations. Donc, je reviens sur ce que je voulais vous dire. Donc, les glaces et les grands froids nettoient tout le monde. Les glaces se retirent, remontent l'herbe et petit à petit remontent des végétaux, qui sont les végétaux qui forment l'essentiel de notre paysage actuel. Quelques chênes, quelques tilleuls, des aulnes, des peupliers, etc., des bouleaux, des noisetiers, tout ce petit monde est monté à sa vitesse et en fonction de ceux qui avaient survécu.
Alors, pour vous faire, là aussi, avancer un peu dans le paysage, avant les glaciations, il y avait des magnolias. Chez nous, en France, il y avait des magnolias. Ils sont tous morts. Comme ils n'ont pas non plus survécu ni au fond de l'Espagne ni au fond de l'Italie, plus de magnolias. Les chênes, certains chênes s'étaient plantés du côté du Portugal ou vers la pointe sud. Ils sont remontés par le Pays Basque petit à petit pour repeupler les chênes. Les hêtres, idem, depuis on ne sait trop où, derrière les Alpes. Donc, la flore qui est remontée est constituée de ceux qui ont survécu aux glaciations et qui sont finalement en Europe et en France extrêmement peu nombreux. Les grands arbres en Europe, on constate qu'il y en reste, qu'il y en est revenu entre guillemets une centaine, ça ensemble. Ce qui est des peanuts par rapport à ce qui existait avant, et surtout très peu par rapport à d'autres zones du monde où les glaces ont eu le même effet, le nord de la Chine, le nord de l'Amérique, le Canada, l'Amérique du Nord. Ils ont eu des glaciations, tout le monde s'est fait refouler vers le sud, avec une différence que nous n'avons pas eue. Je vous rappelle que quand vous descendez en Europe du nord au sud, ou bien vous vous heurtez aux Alpes, aux Pyrénées ou à la Méditerranée, donc il y a des barrières physiques. Quand vous êtes dans le nord de l'Amérique du Nord ou en Chine, vous avez une grande continuité de terre qui vous permet de descendre, puis quand les glaces se retirent, de remonter. Ce qui fait que les flores d'Asie et d'Amérique sont restées très riches, beaucoup plus riches que la nôtre. La nôtre ici, je vous parle de la France, mais aussi de l'Allemagne, etc. C'est une flore réactuelle de ceux qui ont survécu au pire des changements climatiques qui n'ont jamais eu lieu dans le coin, c'est-à-dire les glaciations. Donc cette flore réactuelle que nous avons est un résidu d'une flore beaucoup plus riche, résidu qui a été laminé par le froid et ne sont donc remontés, pour l'essentiel, que des arbres et arbustes aptes à des climat tempéré et plutôt frais. Ceux qui voulaient du chaud à l'époque des glaciations sont morts les premiers. Donc notre flore ici, pour l'essentiel, a cette histoire. C'est une flore tempérée de climat frais, avec des hêtres, des chênes qui sont aptes à des climats tempérés. Le climat qui nous arrive, dans les changements climatiques, est un climat moins tempéré, plus chaud, plus sec et plus aléatoire. Je dis tempéré parce qu'il sera toujours tempéré en ce sens qu'on aura des hivers plus froids que des étés, on ne va pas devenir un pays subtropical. Aléatoire parce qu'il va pleuvoir plus si longtemps, mais à des périodes légèrement décalées et en quantité plus importante à tel moment qu'à d'autres. Donc on va avoir des à-coups comme ça, on les voit ces dernières années. Des grandes pluies, des périodes de sécheresse, de la grande chaleur, des coups de froid, etc. Nous allons avoir une végétation soumise à quelque chose de beaucoup moins tempéré et de plus excessif. Quand on dit plus excessif, ça veut dire qu'il peut y avoir 3 mois de sécheresse avec de la canicule ou des grands abats de flotte à des moments impromptus. Voilà ce qui va arriver. Ceci veut dire que notre flore remontée du sud de l'Espagne et de l'Italie, de Dieu sait où, après les glaciations, va se trouver encore plus en porte-à-faux qu'on ne l'imagine. Plus on va avancer avec le réchauffement climatique, plus on va avoir des problèmes de mise en jeu de certains végétaux. Alors, pour les arbres qui sont les plus costauds, ça sera moins rapide que pour les petites herbes et les petites fleurettes, qui, elles, commencent actuellement à changer. Certaines petites fleurettes de basse altitude remontent en montagne pour trouver la fraîcheur. Et si vous êtes déjà adepte du grand froid en altitude, comme vous ne pouvez plus monter en haut de la montagne, certaines disparaissent. Donc, les arbres, c'est un peu pareil. On pense que les hêtres, espèce peut-être la plus sensible à la sécheresse et aux hautes températures, va disparaître le premier des zones basses de moyenne montagne et de tout l'ouest de la France.
Le processus est d'ailleurs engagé. Certains chefs aussi, y compris en Gascogne, pourtant habitués à de la sécheresse et à de la chaleur, commencent à perdre les branches terminales et à avoir des espèces de coups de perte de branches brutales. Donc on voit bien que même parmi les arbres, il va y avoir une sélection par disparition de certaines espèces. Donc flore inadaptée, floraison bousculée et flore inadaptée autant qu'il y a. Je reviendrai sur tout ça, c'est pour vous dire le contexte dans lequel on se bouge, et on se bouge finalement relativement rapidement, parce que 2050 c'est 30 ans, et 30 ans c'est la moitié d'une, même pas le tiers d'une croissance d'arbres, pour vous dire. Pour nous c'est beaucoup, mais pour la végétation d'importance dans nos paysages, 30 ans c'est rien du tout. C'est-à-dire que, j'ai toujours cette image en tête, ça m'a beaucoup amusé à une époque, les chênes qui s'étaient réfugiés au sud de l'Espagne pour remonter après les glaciations, on estime qu'ils remontaient à la vitesse de 50 mètres par an. Parce que qui c'est qui portait les glands? Il fallait bien qu'il y ait un oiseau qui porte le gland et que le gland il arrive quelque part là où vous pouvez naître. 50 mètres par an. Actuellement, la vitesse du réchauffement fait que 1 degré de plus, qu'on va avoir d'ici 20 ans, mais c'est 200 km. La zone de confort de la végétation, pour 1 degré, c'est 200 km. Nantes va devenir Bordeaux va devenir, je ne sais pas quoi, Bayonne, et puis il faudra aller chercher, bientôt Toulouse, ce sera Lisbonne, et Barcelone, ou Valence. Donc 200 km en degré. 200 km en degré en 20 ans, les arbres, ils ne font pas spontanément. Donc l'adaptation naturelle de la flore au réchauffement climatique qui vient n'est pas jouable non plus. Si, en clair, ça veut dire que si on ne l'aide pas, elle viendra pas. Bon, le deuxième problème, vous l'avez bien dit, c'est que ces 50 dernières années, en plus du réchauffement climatique, on a pris un degré et les vendanges ont avancé 3 semaines en moins. Mais ces 50 dernières années, on a changé prodigieusement le paysage. Pas seulement le paysage agricole, on a changé le paysage urbain. C'est quelque chose, quand je dis paysage urbain, c'est qu'on a goudronné, bétonné, créé des zones commerciales, des ronds-points, des machins, des trucs. On a pratiquement mangé un département agricole tous les 10 ans. Je ne sais pas si vous en dépendez. À ce train-là, on va finir entre quatre murs sur du béton. Donc en fait, on a modifié tous nos paysages. Le principal paysage qui a changé, j'y suis allé, c'est qu'on a simplifié les milieux champêtres. Alors là, je vous ai mis deux photos. Là, c'est à gauche, c'est un vignoble du côté de Sancerre, long de la Loire. Le vin se vend de mieux en mieux dans ces coins-là. Donc bilan des comptes, il n'y a plus que de la vigne. Et les seuls endroits où il y a, là c'est un rond-point routier, un embranchement routier, les seuls emplacements où on ne peut pas mettre de la vigne, ils ont mis de l'acacia. Ça sert à faire des piquets, il y a une certaine logique à mettre des acacias, mais je veux dire, il y a deux végétaux. Dans ce paysage, il y a deux végétaux, il y a la vigne qui ne fait pas de fleurs utiles pour aucun insecte, et l'acacia qui fait effectivement des fleurs utiles pour beaucoup d'insectes, mais c'est tout. Là, il y a une ressource alimentaire importante, l'acacia, sinon rien. À droite, c'est un paysage breton. Alors les Bretons, ils avaient un bocage très intéressant, c'était un bocage très serré. Vous voyez les chênes, ils sont alignés. Il y avait, avant, un petit talus. Sur ce talus, il y avait des grands chênes et toute une petite végétation d'arbrisseaux, y compris des ronces, qui délimitaient les parcelles, qui étaient des prairies naturelles. L'élevage laitier est resté en Bretagne, il a changé de système, il est devenu intensif en maïs. Ils en citent du maïs ou du régra, ou du maïs ou du régra. Le talus, qui effectivement faisait des petites parcelles de moins d'un hectare, il gèle. Donc il a été arasé. De façon à faire des parcelles de 5-6 hectares, où c'est mieux pour manœuvrer les engins. Et curieusement, il est resté. Alors cette photo m'intéresse beaucoup parce que
le paysan breton en question, il continue à se chauffer au bois. Donc il a rasé son talus et il a gardé des chênes. Alors, ils ont une tactique que je ne connaissais pas, qui consiste à élaguer régulièrement les chênes. Et on leur laisse un tout prix. On se chauffe avec tout ça, et puis on compte sur ça pour, dans 15 ans, 20 ans, recommencer. Donc, vous avez un paysage, alors là, je vous en ai mis que deux, mais vous avez des paysages où il y a un grand chêne, un chêne toupé, puis entre les deux, etc. Tout ça est très bien, on a gardé les grands arbres pour se chauffer, tout ça est très bien, mais le talus a disparu, tout ce qui servait de complément, les ronces, les alisiers, les sorbiers, tout ce que vous voulez, dessous, n'existe plus. Et surtout, ces chênes, ils vont vivre, peut-être encore 50 ans, peut-être, mais dessous, on ne peut rien faire. C'est-à-dire qu'un chêne tout seul au milieu d'un paysage comme ça, il a beau faire tomber des glands, il ne fera pas un petit chêne. Donc, on a, dans les deux cas, simplifié la flore, et surtout amener des systèmes qui n'ont pas ce que on souhaite à un système, c'est-à-dire une capacité à se reproduire. Ces deux systèmes sont des impasses. On est dans des impasses. Et alors, je termine par une phrase qui m'a beaucoup frappé. Vous voyez, je l'ai mis. Donc, flore simplifiée, je l'ai laissé en anglais, parce que c'est la première fois que je l'ai. C'est une chercheuse anglaise qui s'est penchée sur la question, elle dit, mais pourquoi on dit que les abeilles disparaissent maintenant. Elle dit, mais les abeilles en Angleterre, ça fait depuis 1936 qu'on considère qu'elles disparaissent. 1936, nous on s'est affolé dans les années 80-90. Et elle disait, les abeilles disparaissent depuis avant-guerre, 1936, parce qu'on manque de fleurs. Alors là, on manque de fleurs. C'est dingue. En fait, pourquoi? Parce que les Anglais, ils ont commencé leur révolution fourragère avant nous. Des plus précurseurs en intensification de leur agriculture. Dans les années avant-guerre, ils ont commencé à labourer leurs prairies pour mettre du régras. C'est eux qui ont inventé le régras, qui est une graminée extraordinaire, qui pousse beaucoup, qui fait beaucoup de verdure, et qui a remplacé toutes les petites fleurettes, les trèfles blancs, les luzères, tout ce qu'il y avait dans les prés. Manque de fleurs. Si vous donnez à vos vaches du régras, qui ne fait pas de fleurs pour les bourdons, les abeilles, les mouches, les papillons, etc., qu'est-ce qu'ils deviennent? Logique. S'il n'y a rien à manger, qu'est-ce qu'on fait? On se bat, on se trompe. Voilà. Donc là, en fait, alors j'en arrive à ce que je voulais vous dire. Le principal problème de notre biodiversité et qu'on a un peu occulté parce que on trouvait qu'il y avait effectivement des explications évidentes. Si vous traitez votre colza et que l'après-midi il y a 24 ruches sur 25 qui sont au tapis, la cause c'est le traitement chimique. Il n'y a pas photo, ma mère l'avait compris, elle dit tant qu'ils traiteront comme ça, c'est pas peine de faire des abeilles. Ça c'est immédiat, c'est la chimie. Ou ça, c'est aussi moins évident, c'est le paysage. Mais derrière tout ça, il y a un fondement, il n'y a rien où il n'y a pas assez à manger. Voilà. Dans les paysages français, là, en Bretagne, on est sauvé parce que derrière, vous voyez, il y a un petit massif forestier, il y a de quoi bouffer dans la forêt, dans le sous-bois. Mais ici, à Sancerre, entre la vigne et les acacias, c'est même pas la peine d'aller y mettre une ruche. C'est même pas la peine d'imaginer qu'il va y avoir des bourdons. Il y a à manger 15 jours par an, 3 semaines par an, parce qu'il y a des acacias. Le reste du temps, il n'y a rien à faire. Et c'est pas. Là, c'est sur des kilomètres carrés. Donc, on a en France des paysages, ce qui n'est pas vrai ici. Ici, vous avez encore la chance d'avoir un paysage extrêmement diversifié en Béarn. Il faut dire. Donc, oui, il y a le maïs, mais il y a quand même les berges de la Loire. Il y a le relief qui fait qu'il y a une végétation diversifiée. Le problème de nos paysages en France, mais pas seulement, c'est qu'on les a simplifiés et qu'on a créé des zones totalement inaptes à nourrir en continu
une abeille, une mouche, un papillon. Alors, si vous nourrissez pas une abeille, pourquoi pas, mais une mouche ou un papillon, pourquoi voulez-vous qu'on nourrisse une grenouille ou un oiseau? La base de la chaîne alimentaire, de l'essentiel de la biodiversité, c'est quand même les petites bêtes. Si les petites bêtes n'arrivent pas à se nourrir, elles peuvent avoir les moyens de les grosses. Bon, tout le monde comprend ça. Et pourquoi il n'y a plus de petites bêtes? Le lac of flowers, mais c'est pas que le lac of flowers, c'est que dans les fleurs, il y a deux choses. Les fleurs, c'est joli, il y a des étamines et des pistils. Les étamines, c'est le pollen, que les insectes sont chargés d'amener sur le pistil pour l'essentiel. Ils appellent la pollinisation par les insectes. Le pollen, c'est ce sont les chromosomes, on va dire, mâles, qui doivent être amenés sur la fleur, sur le pistil, sur la partie féminine du pistil. Le pollen a une caractéristique fondamentale, c'est qu'il est riche en énergie, et surtout en protéines et en lipides. Le pollen, il est chargé d'amener les chromosomes de la partie mâle à la partie femelle, donc de supporter un certain temps et d'être capable de s'activer lorsqu'il est sur le pistil pour aller jusqu'à l'ovaire. Il faut donc de l'énergie et surtout des protéines, des lipides. C'est un petit satellite riche qui est l'unique porte d'entrée de protéines et donc d'azote et donc d'acide aminé, vous prenez dans tout le sens que vous voulez, pour beaucoup, beaucoup d'espèces animales. Alors, les agriculteurs comprennent bien ça. Le facteur limitant des rendements dans la terre, c'est l'azote. Plus vous mettez d'azote, plus vous avez du maïs qui part dans tous les sens, une végétation qui explose. C'est l'azote. Dans la vie aérienne, le facteur limitant, tout comme ça l'est dans le sol, c'est l'azote. L'azote, acide aminé, protéines, pollen. Donc, les insectes, la quantité d'insectes à un endroit est liée à la quantité et à la qualité de l'azote, des protéines, donc du pollen dont ils disposent à un moment donné. La curiosité du pollen, des pollens, pardon, c'est important aussi à le dire, c'est qu'ils sont tous différents, selon les familles végétales, différents en contenu à l'acide aminé. Les acides aminés, c'est des petites briques qui permettent de faire les protéines, donc les muscles, donc la structure du corps. Ça veut donc dire qu'aucun pollen n'apporte la totalité et qu'il faut plusieurs pollens pour avoir la totalité des acides aminés. Nos braves abeilles, on va rester sur les abeilles, nos braves abeilles ont besoin de protéines, d'acides aminés, elles ont besoin à un moment donné de plusieurs pollens pour avoir la totalité des acides aminés nécessaires à leur vie. Si vous n'avez qu'un seul pollen, par exemple le pollen de maïs, à disposition, vous êtes en méforme. Il faut au moins 3 pollens. Nous, c'est 5 fruits et légumes. Pour les abeilles, c'est 3 pollens. Voilà. C'est, la variété est nécessaire tous les jours pour avoir la totalité des acides aminés. La première leçon, il faut que ce soit diversifié tous les jours. La deuxième chose, c'est que Ça, c'est beaucoup plus important. L'organisme, même une abeille adulte, que l'on croit finie, on pense que les protéines vont servir à élever les larves pour qu'elles deviennent adultes, même une abeille adulte a besoin régulièrement de remettre en état son organisme. Elles travaillent beaucoup, elles ont besoin de protéines. Et ça, c'est très récent. Tout le monde l'imputait en se disant s'il n'y a pas de bonnes protéines et surtout s'il n'y en a pas assez, les abeilles sont affaiblies. Et il y a une jeune chercheuse de l'INRA, c'est de septembre de cette année, qui a enfin eu un protocole très, très, très sérieux et qui a montré que, en l'absence de protéines de qualité, les abeilles souffraient beaucoup plus des épandages de pesticides. Et que des abeilles en bonne forme, bien alimentées en pollen, supportaient beaucoup mieux les pesticides. Alors,
Tout le monde va dire, ouais, c'est évident, il fallait encore le prouver. Septembre 2021, c'est clair que des abeilles bien nourries en protéines vont beaucoup mieux supporter les pesticides divers et variés qu'elles vont rencontrer au cours de leur vie. Ça, c'est la première chose que je voulais vous dire. La deuxième chose, c'est ça touche aux abeilles, mais pas seulement. Les insectes qui doivent passer l'hiver, alors c'est les abeilles d'hiver, mais c'est aussi les fondatrices, papillons, mouches, etc., doivent vivre longtemps sur des réserves. Une abeille d'été, c'est un mois et demi, elle bosse, elle meurt, elle est remplacée, etc. Une abeille d'hiver, elle va commencer septembre et il va falloir qu'elle s'occupe, qu'elle survive, qu'elle travaille un peu, qu'elle surveille la reine, qu'elle fasse l'entretien de la ruche jusqu'à mars-avril. Les abeilles d'hiver ont une longue durée de vie. Ça veut dire que ces abeilles d'hiver ou les insectes fondateurs d'autres espèces ont des réserves corporelles. Ces réserves corporelles sont des réserves constituées de gras, de lipides, comme nous, et de protéines. Elles en font une protéine grasse, la vitellogénine, peu importe le nom. C'est-à-dire que vous l'avez ici, vous avez une abeille estivale, on voit son thorax, pas très. Et ici, une abeille d'hiver. On dit que les abeilles d'hiver sont grasses. En fait, elles ont constitué, à partir de septembre, dans leur organisme, des réserves de vitellogénine, lipides et protéines assemblées. Comme une espèce de foie. Comme notre foie, lipides et protéines, l'abeille d'hiver et d'autres insectes stockent lipides et protéines pour passer l'hiver. Et curieusement, vous avez ici, ce n'est pas une belle photo, ici vous avez le corps d'une abeille, son thorax, avec justement son corps adipeux, là où elle a ses réserves de vitellogénine, et juste au-dessus, coupé en deux lui aussi, un varroa. Le varroa, qui est un parasite, qui vit en épuisant les abeilles sur lesquelles il va pomper de sa matière pour vivre, se plaque juste au-dessus de la vitellogénine des abeilles grasses pour mieux effectivement s'en sortir lui et épuiser son abeille. Alors là aussi c'est une recherche INRA assez récente qui constate que des colonies d'abeilles mal préparées à l'hivernage, c'est-à-dire qui n'ont pas pu constituer ces lipoprotéines avec suffisamment de diversité et de qualité de protéines, ont un taux de survie hivernal de 60%, alors que les colonies riches en vitellogénine, vont avoir un taux de survie de 90%. Alors, je le mets ici, 30% de mieux sur un facteur alimentaire. Bon, là aussi, vous allez me dire, c'est intuitif, il vaut mieux être riche et bien nourri que maigre et malheureux. Ça, c'est clair. Mais c'est prouvé ici, et ce qui est prouvé, c'est que la cause de tout ça, d'une survie face aux pesticides et face à l'hiver et aux varroa, c'est la qualité de ce qu'on a pu obtenir comme protéine. En clair de tout ça, il faut retenir quoi ? Il faut retenir qu'il faut des problèmes variés toute l'année, c'est pas parce qu'il y a beaucoup de lierre ou beaucoup de je ne sais quoi, de trèfle, s'il n'y a que ça, réellement, il faut de la diversité florale pour les protéines. Premier point. Deuxième point, ce qui est important pour la survie des abeilles, mais aussi de tous les insectes qui dépendent finalement du même processus, les mouches, les papillons et j'en passe, c'est la possibilité de faire des réserves pour l'hiver. Et faire des réserves pour l'hiver, ça commence au mois de septembre. C'est donc qu'il faut qu'il y ait du lierre, ça n'a échappé à personne. Le lierre, c'est rempli d'insectes. Tous les insectes qui peuvent aller sur le lierre, ils vont pour ramasser tout ce qu'ils prennent. Mais il ne faut pas que ça. Il faut aussi, et de plus en plus, avec ce que je vous ai raconté sur les pétales, encadrer les floraisons du lierre avant et après pour que les insectes
Et donc, toute la chaîne de la biodiversité qui en dépend trouve ses réserves. Donc, voilà ce que je voulais vous amener à ça. L'importance de la protéine par le pollen et l'importance de combler les trous que le réchauffement climatique va amener à notre végétation actuelle. J'espère que jusque-là, il n'y a pas de... d'incompréhension ni d'erreur possible sur ce que j'ai dit. C'est maintenant prouvé par les scientifiques et c'est surtout observable certaines années. Alors en fait, ce que j'ai appelé l'apiforesterie, c'est qu'est-ce qu'on peut faire vis-à-vis de ce défi qui est à la fois climatique et alimentaire. Qu'est-ce qu'on peut faire avec une végétation qui va permettre de combler les trous? Alors, en fait, les trous dont je vous ai parlé, c'est la fin des fleurs de châtaignier ou de tilleul et la grosse arrivée des fleurs de printemps dans la plupart de nos paysages en France, c'est le pissenlit. Quand vous y arrivez le pissenlit, c'est même plus la peine de vous inquiéter, après le pissenlit, tout le monde va fleurir. C'est l'explosion, il y a plus de fleurs que d'abeilles. Mais après le châtaignier ou le tilleul, il y a beaucoup moins de fleurs que d'abeilles. Alors là, je ne sais pas où en sont vos abeilles et vos insectes ici. En Bretagne, cette année, c'est la première fois que j'ai vu autant d'abeilles et de papillons aller récupérer le peu de jus sucré qu'il y avait sur les pommes tombées par terre. En Bretagne, une très mauvaise année florale et fruitière. Les seuls arbres fruitiers qui ont fait à peu près ce qu'ils devaient faire sur les pommiers. Alors tous les insectes vont sur la pomme. Les frelons font des galeries et les pommes qui tombent par terre sont écrasées et vous avez toutes les abeilles qui vont ramasser ce qu'elles peuvent. Une année normale, il n'y a pas beaucoup d'abeilles sur les fleurs. C'est plutôt les frelons, les guêpes qui y ont. Cette année, elles font feu de tout bois. Et j'ai des photos, je n'ai jamais vu ça non plus, 15 papillons sur 2 mètres carrés de pommes par terre. Pourquoi ils sont là? Parce qu'il n'y a que ça. Donc, les pénuries, il y en a, et la malbouffe. La malbouffe, c'est la qualité. Quand vous avez que, actuellement, il y a quelques fleurs encore sur le lierre, mais dans beaucoup de paysages français, il n'y a plus de fleurs. Donc, en fait, le principal. J'ai donc pas écrit un livre sur la flore mellifère, il y en a déjà. J'ai écrit un livre pour dire qu'est-ce qu'il faut entre les dernières fleurs des grands arbres et l'arrivée de la masse gigantesque des fleurs de printemps. Alors, voilà, ça a été, au bout du compte, ma réflexion. Alors, là où j'ai été aidé, ce que je vous ai expliqué, c'est le fait d'avoir observé des ruches et des abeilles dans Paris. Dans Paris, il y a plusieurs ruchers, le rucher du Luxembourg, plus des écoles autour de Paris qui ont des ruchers. Et là, on s'aperçoit effectivement qu'il y a une flore urbaine qui est extraordinaire parce que il y a toujours des fleurs. Alors pourquoi il y a toujours des fleurs? Parce que, pour faire plaisir aux Parisiens en l'occurrence, les services municipaux ont mis des arbres et des arbustes qui fleurissent tout le temps. Paris couillon, mais quand vous allez au mois d'août dans une ville provinciale française, il n'y a pratiquement pas de fleurs. Quand vous allez à Paris au mois d'août, vous avez des allées entières de Sephora, ou de Savonnier, ou de ce que je sais, il y a toujours des fleurs. Il y a toujours des fleurs. Les services municipaux urbains des grandes villes se sont pris au jeu de savoir comment on faisait pour mettre des fleurs à disposition de la population toute l'année. C'est une mine d'observation extraordinaire. Donc, j'ai eu ça sous les yeux, et puis je me suis baladé à gauche à droite dans divers arboretums de France et de Navarre espagnole. Alors, je vais donc vous présenter ce peut être une palette à planter. Après, je vous expliquerai comment on peut imaginer planter dans la nature ces arbres et arbustes dont je vais vous parler. Mais ce que je voulais vous dire, c'est qu'il est tout à fait possible d'avoir des fleurs toute l'année, partout en France. Toute l'année, avec en jouant avec une palette dont je vais vous présenter quelques exemplaires,
et surtout en complétant la flore locale. Le but du jeu, c'est pas de remplacer la flore locale par je ne sais quoi, ou trouver des portes miracles qui vont tout solutionner. Le but du jeu, c'est de jouer avec ce qu'on a, que l'on peut enrichir avec ce qu'on connaît, pour être dans le pollen comme fil conducteur toute l'année. Alors là-dedans, on va trouver des espèces venues de la Méditerranée, ou déjà présentes chez nous, parce que remontées avec les remontées des plantes après les glaciations, mais que l'on a un peu oubliées, et puis des totalement inconnues du milieu champêtre. Et dans les totalement inconnues du milieu champêtre, je vais faire une large part à la flore arborée asiatique. Je vous ai expliqué au départ que l'Asie avait eu la chance, pendant les glaciations, de permettre à toute la flore du nord de descendre vers le sud et de remonter. La flore européenne est descendue et elle est morte, elle n'a pas pu remonter. Celle d'Asie, elle est descendue et elle est remontée. Donc la flore asiatique est une flore qui est pratiquement restée intacte depuis quand il y avait les hippopotames dans le Gers. Donc, on va commencer comme ça. Alors, cette flore d'Asie, de Chine, est arrivée comment chez nous ? Alors ça, c'est une autre histoire que je trouve extraordinaire. Au fur et à mesure des découvertes, quand on y pense, on a commencé à ramasser les botanistes français qui faisaient le tour de la Méditerranée. Ils ont été ramassés au Liban, des trucs, dans le Caucase. Bon, on a commencé par la proximité. Puis un jour, on a découvert l'Amérique et on a ramené d'Amérique des chênes, des tulipiers, des machins. Et l'acacia et les tulipiers qui sont ici juste à la sortie. Là. Donc on a ramassé des graines et on les a envoyées. La flore chinoise, c'est à peu près pareil, mais beaucoup plus difficile. Alors, beaucoup plus difficile parce que la Chine, il faut y aller. C'est loin. Et puis, il fallait être accepté parce que pendant très longtemps, ça reste toujours un peu compliqué, les Chinois, les relations avec eux, pendant très longtemps, ils n'acceptaient pas vraiment qu'on aille regarder comment ça marchait chez eux, y compris leur flore. Donc, les arbres chinois dont je vais vous parler, ils sont arrivés à dose homéopathique parce qu'il y avait quelques vaillants missionnaires, essentiellement, qui les ramassaient, les mettaient dans leur poche et les envoyaient par courrier rapide, 2 ans. C'est des caravanes qui partaient de Pékin et qui traversaient Moscou, etc. Ou, voilà, ça c'est l'essentiel. Ceci dit, historiquement, il y avait quelque chose que vous connaissez, c'est la route de la soie. La route de la soie, ça partait de la Chine avec de la soie, et puis ça traversait l'Arabie, la Turquie par en bas, ou par en haut, la Russie, puis je ne sais quoi. Donc, le but du jeu, c'était d'amener de la soie qui valait cher et de ramener dans l'autre sens des choses qui valaient cher aussi, qui étaient de la verroterie. Mais la route de la soie avait amené aussi, parce que ils mettaient des pépins dans leurs pommes, les pommiers, ils mettaient des noyaux de pêche, les pêchers, les amandiers, donc toute une flore utile, entre guillemets, que l'on a récupérée. La pomme, ça vient d'Asie, la pêche, ça vient de Chine, l'abricot, ça vient d'Asie, et c'est la même route. Donc en fait, petit à petit, on s'était constitué un lot de flore asiatique utile et agricole. Visiblement aussi, quelques rosiers sont arrivés. Bon. Donc ça, c'était la route de la soie à dose homéopathique sur plusieurs siècles. À partir du moment où on a pu envoyer des missionnaires, on a commencé à envoyer des graines. Donc ça a commencé en 1750. Alors là, c'est Incarville, le père Incarville. Il a envoyé le savonnier. Le nom botanique du savonnier, c'est le Cœlerotheria. Alors, le Cœlerotheria paniculata. Je vous en parle ici parce que c'est le premier arbre dont je vous parle qui fleurit après les châtaigniers et les tilleuls. Le premier arbre spectaculaire à l'été, regardez comme il est 8 mètres, une grosse boule pleine de fleurs, très attractif pour les abeilles, c'est le savonnier. Alors, le savonnier, 1750. Il nous l'a envoyé, ce missionnaire, pensant que on allait en faire savonnier, un arbre intéressant pour laver le linge, utiliser ses saponines à des fins médicales et médicinales. Bon,
peu importe, il n'a pas eu de grande carrière médicinale, et il a une belle carrière urbaine d'arbre décoratif. Il a l'intérêt de fleurir de juillet, pour l'essentiel, avec des populations août-septembre. La dernière sélection porte sur un cultivar qui fleurit en septembre et qui date de 1960. Donc un savonnier, un arbre de parc ou de haie, on peut le mettre partout. Il commence une petite carrière dans certains ronds-points routiers en milieu rural. C'est un des plus faciles à voir un peu partout en France maintenant. Et quand même, en 1750, il est arrivé dans ma ville gasconne il y a 2 ans. Ça fait loin. Ça fait long, je veux dire. Pas loin, ça fait long. Voilà. Les deuxièmes dont je veux vous parler, on continue à progresser dans le temps, c'est les tilleuls. Les tilleuls chez nous, il y a 3. Il y a petite feuille, grande feuille et un hybride. La planète américaine, le nord de l'Amérique, a une dizaine de tilleuls. Et l'Asie, 25. Phénomène des glaciations, plus ou moins laminées chez nous. Et parmi les tilleuls asiatiques, il y a donc une population très diversifiée. Alors, je vous ai mis 2 exemples. Il y a celui du Japon, tilleul du Japon, Japonica, fleurit en juillet. Le nôtre, je vous ai dit, farmé début juin, dans le sud-ouest. Juillet, le Japonica. Et le plus intéressant, le plus curieux, le plus tardif, c'est Henri Yannin, qui est le plus tardif et qui est du mois d'août. Alors, ici, vous avez la floraison du japonais. Alors, il est très beau, le japonais. C'est le tilleul qui a le plus de petites fleurs par bractée. La bractée, c'est... Quand vous faites la tisane, vous ramassez ça avec des petites fleurs. Chez nous, c'est 3 à 5 fleurs. Le japonica, il fait entre 20 et 40 fleurs. Le japonica, c'est le tilleul le plus étrange lorsqu'il est fleuri. On ne voit plus les feuilles, on voit que les fleurs. Il lève un peu ses fleurs et il devient une boule de fleurs. Il a un petit inconvénient, il n'est pas très odorant pour tout dire, pour faire une tisane, c'est pas le top. Mais il est très intéressant, sa floraison est très massive et tardive en juillet. Le chinois, lui, c'est le plus tardif des tilleuls. Alors, je vous l'ai mis ici en photo. Il est très joli. Il a une feuille, vous voyez, qui sort cuivrée, rouge cuivrée, avec des petites aiguilles en pointe, assez grandes. Et alors, curieusement, sa floraison est en... Curieusement, il fait un peu le même type de couronne. Et ses fleurs ne s'ouvrent pas toutes en même temps. Là, vous le voyez en haut, vous en avez des fermées, des demi-ouvertes et des totalement ouvertes. Il a, contrairement au japonica qui va fleurir en 10 jours, l'autre, il va mettre 2 semaines à 3 semaines faciles de floraison, étalée dans le temps. Très attractif, très long de floraison, très odorant. Donc, ça, c'est l'exemple de ce qu'on peut là aussi imaginer. Et le savonnier, le calroteria, il fleurit juste après la fin de nos tilleuls et les châtaigniers. Là, on est en juillet, voire à août. Avec une famille végétale qui s'adapte parfaitement à nos conditions, mais qui simplement, par sa chronologie florale, comble le trou jusqu'au mois d'août. Alors, ici, celui-là, c'est un des champions mellifères, sinon le champion mellifère, au sens où c'est l'arbre connu en botanique, Tetradium. Son petit nom, c'est l'arbre à miel. Quand vous prenez un catalogue de pépinières, soit c'est Tetradium, soit c'est arbre à miel. Arbre à miel, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est sûrement l'arbre de climat tempéré qui produit le plus de nectar. Et c'est vrai qu'il est... Il est extrêmement généreux. Quand il est fleuri, vous avez une fleur en haut, là, c'est une espèce de corymbe. Vous voyez facilement sur une fleur ouverte une vingtaine d'abeilles. C'est complètement... il aimante complètement les abeilles et autres insectes pour le nectar. Et dessous, vous avez, c'est un petit arbre de 8-10 mètres, port en boule quand il est tout seul. Et vous avez dessous
la même, le résultat de la fécondation, des toutes petites graines qui sont petites comme la moitié d'un grain de poivre, c'est tout petit. Ça reste accroché sur l'inflorescence, ce qui permet de ramasser l'inflorescence avec les graines, de les récupérer. Je dis ça parce que les Chinois, les Coréens, enfin les Asiatiques du nord du continent l'ont longtemps utilisé comme arbre pour faire de l'huile. Récupérer les graines, ils écrasaient, ils considéraient que cette huile était de très bonne qualité gustative. Très compliqué à vrai dire à valoriser, puisque la graine est toute petite, enfin, c'est un métier. Donc en fait, cet arbre n'a pas eu de grande carrière, sauf qu'il est planté a priori largement en Corée du Nord. Beaucoup de monde qui est allé voir si c'était vrai. En Corée du Nord, pour faire des haies anti-érosives et puis de la permaculture entre les rangs de tétradium, ils mettent des patates, du maïs, etc. C'est un arbre cultivé pour l'huile en Corée du Nord, à dose visiblement importante, ailleurs aucune grande utilité. Il est arrivé ici en 1905. C'est un des derniers arbres chinois à être arrivé ici. À vrai dire, personne n'en a jamais trop parlé. Et quand j'ai cherché à savoir pourquoi on l'avait appelé arbre à miel, j'ai pas trouvé d'explication ni de documentation solide sur le sujet. C'est vrai qu'encore une fois, il est très riche en nectar. C'est vrai aussi que vous n'en verrez jamais des quantités. Les arbres, les tétradiums, les arbres à miel que je connais, ce sont souvent des arbres isolés près d'un rucher, dans un coin de jardin botanique, etc. Et pourtant, m'est arrivé un peu par hasard d'aller voir une rue entière. Non, à Nancy. Alors, à Paris, je n'en ai vu qu'un ou deux. À un endroit, j'y reviendrai après sur Paris. Alors là, je n'ai aucune explication pourquoi Nancy, le service municipal des arbres et autres décorations végétales de la ville, il y a une rue de 200 mètres, il n'y a que des tétradiums. Ça, c'est quelque chose. Quand j'ai vu ça, j'ai eu un choc. Ouais. Justement, alors vous voyez les arbres, c'est les tétradiums. Ils ont été conduits au lieu d'être laissés en boule, c'est les arbres urbains. On a fait en sorte qu'ils montent pour pouvoir garer les voitures dessous. Donc là, l'arbre urbain typique, on peut garer la voiture dessous. Quand il fleurit, les fleurs tombent, ça fait de la neige sur les voitures, et les abeilles continuent à butiner par terre. Alors, il y a une densité d'abeilles, vous avez vu la photo. Alors imaginez ça, et puis alors surtout quand j'ai pris la photo, la dame qui était en train de pousser les fleurs qui étaient sur le pare-brise, et moi je prenais la photo, elle me dit, et vous trouvez ça drôle? Et bien ça allait rester. J'ai dit, ben oui, je trouve ça, c'était pour moi, c'était un spectacle inouï, mais et je me suis dit, effectivement, elle me dit, ouais, ça dure pendant un mois, bref, les abeilles, l'emmerder, les fleurs, tout. Et je lui dis, mais c'est quand même extraordinaire, bon, chacun voit son truc. Elle n'a pas vu la même chose que moi. Ce que je constatais, c'est que, vous voyez, le premier, il est un peu rouge, là-haut. Ça veut dire que la fleur est déjà vers le fruit. Le second, il est tout blanc, alors là, on est en plein bout, et en face, on est un peu blanc. Donc, dans cette rue, vous aviez des arbres qui avaient fleuri, qui étaient en pleine floraison, et d'autres qui allaient fleurir. Un tétradium tout seul, il fleurit 8-10 jours. Sur cette rue-là, avec la différence de ces arbres qui sont issus de semis, ce n'est pas des boutures, ce n'est pas des greffons, c'est du semis. La différence fait qu'il y a plus d'un mois de floraison. C'est extraordinaire. Donc, je ne connais que cette rue en France où il y a autant de trucs. Alors je reviens sur Paris. Alors, j'ai circulé un peu partout, j'ai constaté qu'en France, il y a des populations très séparées. À Paris, il y a un tétradium à Notre-Dame de Paris, de l'autre côté de la façade, sur,
sur l'arrière de la cathédrale. Il n'a pas brûlé, il est à 25-30 mètres du fond de la cathédrale Notre-Dame. Il fleurit fin juin. Et, alors j'en ai vu à Lyon, je ne sais plus où, peu importe, et le dernier que j'ai vu fleurir, c'est à Bonne. Bonne, c'est en Bourgogne, bien connu pour. En été, fin septembre. Donc, il y a une population issue de graines qui est capable de fleurir, alors avec les nuances qu'il faisait peut-être plus chaud derrière la cathédrale à Paris que dans la rue de Beaune. Enfin, on est entre fin juin et septembre, ça fait quand même. Donc, en clair, et ça c'est quelque chose que je redirai à plusieurs reprises, ces arbres asiatiques, chinois dont je vous ai parlé, qui sont venus ici par graines au compte-gouttes, et on ne sait pas trop dans quel coin de Chine ils avaient été récupérés, sont d'une variabilité extraordinaire. Et c'est tout à fait normal. Je vous ai dit que le tétradium, il était en Corée du Nord. Vous voyez la Corée du Nord. Il est aussi en Corée du Sud, un peu plus au sud que la Corée du Nord, justement. Et puis vous tournez, vous l'avez sur Pékin, et vous allez vers le sud, vers l'Himalaya, le Sichuan, et vers le Yunnan. Donc, cet arbre, comme les précédents, chinois, il est sur 5 à 6 000 km de long et peut-être 2000 km de profondeur. Ça veut donc dire que les populations de cet arbre se sont adaptées avec le temps à des conditions climatiques, pédologiques, ce que vous voulez, très différentes. Donc en fait, ce que nous avons ici, en voie homéopathique de type graines, est en fait potentiellement extraordinairement diversifié dans son pays d'origine. Et c'est une des conclusions sur lesquelles je vous amènerai. C'est pour moi une grande chance d'aller avec des chercheurs qui ont des moyens d'analyse et de récupération que n'avaient pas les missionnaires qui ont été chercher des petites graines, d'aller voir comment sont les populations chinoises, coréennes, japonaises, de tous les arbres dont je vous ai parlé, pour trouver ce qu'on appelle en termes techniques, des cultivars, c'est-à-dire des tétradiums qui vont fleurir en juillet, août, septembre, ce que je sais. Donc on est face à des besoins ici, liés au réchauffement et à notre biodiversité en souffrance, avec des possibles solutions botaniques que l'on sous-estime visiblement et qui serait temps d'aller approfondir. Et approfondir l'arbre à miel, c'est quelque chose, à mon avis, de fondamental, parce qu'encore une fois, cet arbre, il est très rare, pourtant il est très facile. Vous prenez des graines, en 2 ans, vous avez un individu qui est comme ça. 2 ans. Vous pouvez mettre, la deuxième année, vous pouvez le mettre au fond de votre jardin, dans une haie, et il va pratiquer, à part les chevreuils qui adorent s'y frotter les cornes et le peler, ils sont relativement bons quand on le pèle, il n'a pas beaucoup d'ennemis et il est d'une relative grande constance dans ses floraisons. J'en ai planté autant en Gascogne qu'en Bretagne. C'est réellement, sur le plan alimentaire, un champion facile à obtenir, qu'on maîtrise mal parce que les populations qu'on a sont très faibles. Alors, encore un autre Asiatique qui a une carrière urbaine conséquente maintenant, qui est le Sophora du Japon. Alors, le Sophora du Japon, en fait, il est chinois. Il est arrivé dans les années 1790 à peu près. Il servait en Chine à 2 choses. À extraire un colorant jaune de ses fleurs. La couleur jaune est très appréciée, très appréciée à la cour du roi de Chine. Et il est de la famille des acacias, donc des fabacées. C'est un arbre qui fixe l'azote, qui enrichit les sols autour de lui, comme le fait l'acacia, et qu'on peut donc utiliser en sol très pauvre, et qui va effectivement améliorer le contexte, et qui supporte tout un tas de stress. Alors, il est utilisé en ville parce qu'il résiste à la sécheresse, au mauvais sol, à la pollution, et au coup des voitures qui défilent des petits coups de pare-choc régulièrement. Et surtout, grâce à un travail de sélection dans les années 70-80 aux États-Unis, on est passé progressivement d'un arbre qui avait un port plutôt torturé. Le Sophora, c'était longtemps l'arbre pleureur
ou tordues, qui sont des jardins, des jardins bourgeois du 19e siècle, très jolies, pleureurs, mais sans grande utilité à part l'esthétique. Et par curiosité, un Américain a observé des semis qui ont donné des arbres droits. Donc, on est passé d'arbres naturellement torturés à quelques cultivars tout droits. Et l'autre curiosité totalement secondaire dans les recherches, mais quand même, celui, le torturé, il met 15 à 20 ans pour fleurir. Il obtient petit à petit sa maturité florale, alors que les cultivars droits fleurissent à 5-6 ans. Donc, on a gagné, d'après la littérature. Et donc, du coup... Alors, du coup, ah ben, vous n'avez pas le régent. Alors, du coup, l'Américain, il s'appelait Régent, le pépiniériste, il les a brevetés. Et du coup, beaucoup de filles, alors pas seulement en Europe, mais y compris en Chine, d'ailleurs, ont repris ces cultivars américains que l'on greffe, donc des arbres greffés pour fleurir vite, pousser droit et embellir les lignes. Alors, le sophora, c'est devenu à Paris, il y a presque 3000 ans, un des grands arbres, il y avait les platanes et les marronniers à Paris. C'était, vous demandiez à un Parisien, c'est quoi ton arbre préféré? C'était ou le platane ou le marronnier. Et petit à petit, alors, le platane, il y a un problème, demain, il faudrait mieux en mettre de moins en moins, parce qu'un jour, on va avoir un gros problème. Pour l'instant, c'est pas vrai à Paris, mais c'est vrai jusqu'à Toulouse. Et le marronnier, c'est chouette, mais ça fait des marrons qui tombent sur les... C'est quand même... Vous avez tout compris. Donc, du coup, on s'est dit, tiens, il y a un autre. Et alors, lui, il a une belle carrière. Et donc, du coup, certaines écoles d'apiculture de la région parisienne ont une aile de sophora. Alors, lui, il a un autre avantage. Il fleurit entre juillet et août. Il se décale selon les années plus ou moins chaudes. Il fleurit longtemps, environ 3 semaines. Et il est très, très mellifère. Vous voyez pourquoi il fleurit longtemps? Il fait des gousses et il y a encore des fleurs. Donc, c'est des grappes de fleurs dont le fruit va se former, une espèce d'haricot long avec des étranglements entre les graines et des fleurs assez longtemps. Les fleurs tombent, ça blanchit les fleurs et les abeilles vont chercher, encore une fois, par terre, ce qui reste de nectar dans les fleurs. C'est extraordinairement mellifère, très résistant à tous les stress qu'on peut imaginer. Le seul inconvénient, s'il y en a un, c'est qu'il faut utiliser des arbres greffés, donc forcément plus cher que ceux que je vous ai présentés avant, qui sont des arbres de semis. Là, on a affaire à un arbre qui nécessite une pépinière, un travail de pépinière. Il est plus cher, c'est sûrement le plus cher, et surtout pour les villes, parce que les villes vont vouloir des arbres pour garer la voiture. Sophora, j'appelle. Alors lui, pour moi, c'est un des champions. C'est l'acacia du proche futur. Il a toutes les caractéristiques de rusticité, l'utilisation de son bois, la valorisation des sols, et je vais faire un jeu de mots, sophora des villes, sophora des champs. Vous résumez la situation. Il est très rare dans les milieux champêtres. Un, il est très méconnu des pépiniéristes. Deux, il est encore cher. Mais c'est surtout, voilà. Donc là, j'ai fait un panorama d'arbres asiatiques. Vous voyez, on est quand même au mois d'août avec des arbres qui sont très spectaculaires et très mellifères, plutôt rustiques, qui peuvent supporter les épisodes de sécheresse et de pollution et de mauvais traitement. Là, on va passer à quelques arbustes. L'amorphas fruticosa. Alors, ça c'est un arbuste nord-américain, je vous l'ai mis là parce que il fleurit en été, on est en juillet-août. Il a un avantage, comme c'est une fabacée, une légumineuse, il enrichit le sol. Alors, il est utilisé par les forestiers en Amérique du Nord en complantation. Lorsqu'ils font une forêt, ils le mettent en sous-bois, il enrichit en azote les arbres, et les arbres grandissent, et au moment où les arbres ont fini par grandir et fermer un peu le paysage, lui, il est dépérit. C'est un arbuste de lumière,
du jardin, mais en sous-bois, il a un rôle de starter, on va dire, et puis après, il passe la main. Il est très mellifère, vraiment très très mellifère aussi. Alors, une petite histoire sur les pygmées. Alors, les pygmées, en général, ils ont mauvaise presse. Ils ont mauvaise presse parce que celui de gauche, c'est le Budéia de David. David, j'en reparlerai, c'est un missionnaire d'Espelette, pays basque, qui est allé courageusement en Chine, à une époque où les Chinois n'aimaient pas trop ni les curés, ni les. Ni, pas les Français, les étrangers en général. Il est allé là-bas et il a fait plusieurs choses. Il a fait des tours de Chine à pied, à Dodan et à tout ce que vous voulez. Et il a décrit la faune et la flore chinoise et il en a ramené quelques exemplaires. Alors, son fait d'arme principal, c'est d'avoir découvert, entre guillemets, le panda. C'est Père David, un Basque, qui a sorti de l'oubli du fin fond du Sichuan, un drôle de Pékin, on dirait maintenant, qui était le panda. Il l'a décrit alors que les Chinois du Nord, de l'Est, ne savaient même pas que ça existait. Donc il a réellement découvert. Il a mis à jour d'autres antilopes, enfin des tas d'animaux et des tas de plantes. Et une des plantes qu'il a décrit et ramené, c'est le budéia de David. Alors le budéia de David, vous voyez, c'est l'arbre à papillon. Dès que vous avez un décombre quelque part, y compris une maison qui va s'écrouler, vous risquez de le voir. Il pousse dans des coins impossibles, vraiment des coins impossibles, sur des murs, entre deux plaques de béton, au pied des feux rouges. C'est un champion, c'est un pionnier. Il va sur Mars. Il va très vite et il attire beaucoup d'insectes, dont les papillons, simplement parce qu'il est riche en nectar et sa fleur est un tube long. Que les abeilles ne peuvent pas pomper parce que la langue de l'abeille est trop courte par rapport à la longueur du tube du budéia. Donc ce sont les papillons. Alors là, je vous ai mis un. Les papillons, ils ont une paille très longue, ils vont pomper tout ce qu'ils veulent. Donc c'est arbre à papillon, Père David. Et à ma droite, un budéia qui est très intéressant pour les abeilles. Alors là, pour le coup, c'est un budéia globosa. Vous voyez, là, on a affaire à un épi, là on a affaire à des globes. C'est le globosa à ma droite, c'est un chilien. Chinois, chilien. Alors le chilien, il fleurit mai, au printemps, et là pour le coup, les abeilles peuvent aller chercher le nectar. Et alors, il y a donc Chine, Chili, tout va bien, et il y a un sacré bricoleur anglais, en 1914, il s'appelait De Veyer. Un officier de l'armée britannique qui a commencé la Première Guerre mondiale dans le nord de la France. L'histoire dit que lors d'une de ses permissions de 1914, avant de se faire tuer d'ailleurs, il est allé chez lui dans son jardin, il a pris les deux pygmées d'avant là, il les a hybridés, vous voyez, un épi des globes, et le résultat c'est un épi de globe. Et alors, le coup de bol, on va appeler ça comme ça, c'est qu'il a obtenu ce budéia de Veyer qui fleurit de mai à décembre. Il s'arrête de fleurir quand il fait froid. Donc on a une source de nectar tout l'été, jusqu'au froid. Stérile, c'est un hybride stérile. Donc autant le premier budéia de David, il a mauvaise presse parce qu'il a tendance à s'éparpiller dans le paysage dès qu'il y a des trouées, dès qu'on a commencé à faire des travaux et autres, il se présente. Autant celui-ci est totalement inoffensif pour le milieu puisqu'il est stérile. Par contre, il nourrira des insectes jusqu'au froid et il est très facile à bouturer. Vous le trouvez facilement en jardinerie et dans les petites pépinières. Et il est très spectaculaire. Et alors ça c'est une photo qui a 3 ans à peu près, les hybridations continuaient, il y a une variété plus rose et une variété plus violette. Voilà. Pour vous dire qu'ils continuent, les créateurs, dont De Veyer est un des pionniers, continuent à hybrider les budéias qui présentent l'avantage d'être un arbre
un arbrisseau, ça monte à 4 mètres, qui demande de la lumière, mais qui fleurit très longtemps, jusqu'à l'été. Alors, je prolonge toujours. Alors là, on est au mois de septembre, donc on est juste avant. Non, après. On est en septembre, donc juste avant la floraison du lierre. Et là, on est sur. C'est un petit arbre, il fait 6 à 8 mètres quand même. Il fleurit, vous avez la fleur en bas, il fleurit assez longtemps, 3 bonnes semaines. Donc très mellifère aussi. Et puis la floraison est suivie, alors c'est le cas maintenant, par les pétales blanches tombent et les sépales rougissent. Donc vous avez toujours l'impression que tu as des fleurs, alors qu'en fait les fleurs étaient blanches et il n'y en a plus. Donc c'est très joli, c'est pour ça d'ailleurs qu'il a été félicité pour les jardins. Vous avez ici sa façon de présenter ses feuilles en un peu pêché, un peu corps de gazelle, enfin voilà. C'est intéressant à savoir, il était dans les herbiers, les jardins botaniques, et on l'avait perdu. C'est un arbuste, qui avait été donc découvert au 19e siècle, répertorié par les scientifiques, et qui est considéré comme perdu dans son milieu chez nous, mais aussi dans son milieu naturel en Chine. La Chine est un pays où une grande partie du territoire, nous, je vous ai parlé de perte de biodiversité, de réduction en simplification de paysage, imaginez que toute la partie est de la Chine est entièrement anthropisée. Il n'y a pas un arbre ou un arbuste dans cette partie de la Chine qui n'ait été planté. Ils ont consciencieusement valorisé tout leur territoire, c'est-à-dire poursuivi tout bout de terrain pour y faire quelque chose. L'heptacodium était donc considéré comme d'autres plantes, d'ailleurs, comme disparu en Chine. Et en 1980, les botanistes américains et chinois ont fait des missions dans des coins un peu paumés et ils l'ont retrouvé. On a retrouvé l'heptacodium mycologes, qui est un nom à coucher dehors, d'ailleurs personne n'est connu d'autres noms que l'heptacodium machin. On l'a retrouvé en 1980. Et depuis, il est facile à multiplier par bouture. Alors là, c'est toutes les pépinières du monde le proposent. Mais c'est un sauvé de l'oubli et surtout retrouvé dans la simplification de la flore chinoise qui a eu lieu ce dernier demi-siècle. Là, vous avez un petit. Voilà, ça, c'est un petit bosquet d'heptacodium. Il pousse comme une talée. Et c'est très beau parce que, vous voyez, l'écorce. Voilà, il fait de longues lanières blanches, donc une floraison en septembre et une présence, alors on peut l'utiliser en lit, en tout seul comme un grand, mais il peut très bien intégrer, je reparlerai après de la façon dont on peut valoriser tous ces arbres. Alors, j'arrive à celui que je préfère, parce que, voilà, là, on a affaire à un châtaignier chinois. Alors, j'ai pris cette photo. Pour ceux qui sont connaisseurs, devant la mairie d'Espelette. Espelette, c'est la patrie du père David. Alors, pour lui rendre hommage, un des maires avait décidé de faire un petit jardin où il a rassemblé tout un tas d'arbres dont on doit la présence au père David lorsqu'il était missionnaire en Chine. Et curieusement, il y a ce petit châtaignier qui doit être à peu près de cette taille, un arbuste. Alors, ce qu'il y a d'intéressant, vous voyez la feuille, c'est une feuille de châtaignier. La fleur, si vous êtes coutumier aussi, c'est un épi de fleurs de châtaignier. Et les bogues, vous les avez sur le haut de la coupe, les petites bogues avec des aiguilles. Ici, vous avez la châtaigne traditionnelle de nos châtaigniers. Et là, les châtaignes de ce magnifique petit chinois, c'est tout petit, c'est grand comme un ongle, c'est comme des billes de gamin, vous voyez la pièce de 2 centimes. Alors, la curiosité de ce châtaignier, c'est qu'il fleurit sur sa pousse. Vous voyez, en haut, vous avez en bout de course des épis verts qui blanchissent, qui deviennent blancs. Sont noirs. Donc sur la pousse, vous avez des fleurs qui avancent
et qui vont avancer de la première floraison, lorsqu'il a sa pousse, il fleurit comme nos châtaigniers en mai ou juin, il commence sa floraison. Nos châtaigniers ne fleurissent qu'une fois, alors que lui, il continue à fleurir. Celui que j'ai en Bretagne est à ce stade à peu près là-haut. Il commence à me donner, j'ai dû récupérer il y a quelques jours, trois châtaignes sur le bout à gauche de la branche, et il continue à fleurir. On a affaire à un châtaignier qui, curieusement, fleurit en continu. Pas beaucoup, mais quand même, et qui fleurit en continu. Ce sont des fleurs de châtaignier, donc des fleurs qui ont un peu de nectar, qui sentent très bon, et qui attirent de temps en temps des abeilles et autres insectes qui viennent chercher et du nectar et du pollen. Alors ça c'est tout à fait étonnant. Alors, il est chinois, il est sur une grande moitié de la Chine, considéré comme un arbre fruitier, parce que les petites châtaignes, même si elles sont ridicules en taille, sont très sucrées, très appréciées de le poulet à la châtaigne sauté au wok. Vous voyez le truc? Très bien. Et non, vraiment, c'est assez curieux. Donc, ils ont maintenu les traditions culinaires autour de ce petit châtaignier, malgré sa taille et l'ennui que tout le monde a pour le valoriser, pour enlever la peau. Et il est très curieux parce que il reste arbuste, voire d'après la littérature, il monterait en Chine jusqu'à 8 mètres. Comme il y en a 4 ou 5 en France, je ne peux pas vous dire si c'est vrai. J'y reviendrai. Donc cet arbre, le chinois, le paysan chinois, le coupait pour faire du bois de feu. Il repousse, comme tous nos châtaigniers, il se recèpe. Il se recèpe vite, c'est un arbuste, et il fleurit à la deuxième année. C'est-à-dire que j'ai planté des châtaignes, des petites châtaignes. La deuxième année, vous avez un végétal qui est haut comme ça, qui fleurit. C'est très étonnant. C'est-à-dire qu'un arbre qui fleurit à 2 ans, ça, bon, c'est comme ça. Alors, la curiosité de cet arbre, c'est une floraison continue, une floraison très précoce et une générosité. Il fleurit tout le temps. On va avoir des chutes de châtaignes de maintenant jusqu'à Noël. Et une générosité pour les fleurs, pour la biodiversité qui veut du pollen, et des châtaignes pour le gibier qui tombe petit à petit, puisqu'elles mûrissent petit à petit, pour le gibier à plumes et autres. Il a été importé en 1900. Alors, toutes les qualités dont je vous parle n'ont intéressé personne, parce que petite châtaigne, petite ridicule, on voulait des grosses, ce qui est logique, et puis gros bois, d'œuvres, etc. Donc en fait, il est arrivé en 1900, il a été mis dans quelques jardins botaniques, puis on a dit, bon, c'est joli, mais dont acte. Il est sorti de l'oubli il y a environ une vingtaine d'années, lorsque les chercheurs ont commencé à se dire, tiens, les châtaigniers sont en train de dépérir, ils ont des maladies qui viennent d'Asie, l'encre, je ne sais plus quelle autre maladie. On va donc chercher à savoir si en mettant de la génétique chinoise ou asiatique dans nos arbres, japonais, chinois et européens, on va obtenir des hybrides résistants aux maladies. C'est vrai, les Français ont travaillé les hybrides entre les chênes du coin et les châtaigniers japonais. Ça a été fait par un grand pépiniériste ici de la FIT, du Bas des Landes. Qui a réussi son coup avec de la génétique japonaise. Aux États-Unis, ils ont réussi leur coup avec de la génétique chinoise. Donc, ils ont des hybrides entre les châtaigniers américains et chinois. Et ce châtaignier Seguin, que tout le monde considérait comme potentiellement intéressant pour justement améliorer la résistance aux maladies et puis la prolificité de nos châtaigniers, il s'est révélé rétif. C'est-à-dire qu'il ne s'hybride absolument pas avec les châtaigniers européens et américains, bilan des courses zéro, et ils ne se greffent même pas. Donc on est tombé sur une impasse, entre guillemets, lorsqu'il a été importé pour sauver, ou essayer de sauver, nos châtaigniers. Bilan des courses, on l'a remis là où il était, dans le jardin botanique, sauf
aux États-Unis où, pour la chasse et pour les chasseurs, il y a des gens qui se sont dit quand même, c'est intéressant, un petit arbuste qu'on peut mettre en lisière dans les forêts, qui va faire des petites châtaignes pour le gibier et la chasse. Donc les Américains, dans le sud des États-Unis, ont sélectionné pour les chasseurs des châtaigniers de Seguin qui sont pour l'un très précoces et pour l'autre plus tardifs dans la production de châtaignes pour la chasse. Chez nous, zéro pointé. Alors, zéro pointé, c'est-à-dire que moi j'ai eu la chance d'acheter un châtaignier de Seguin à un pépiniériste de Bayonne. Je ne sais pas pourquoi, c'est comme ça. Un jour, ce gars il s'est pointé avec ce châtaignier, il m'a dit celui-là, c'est un châtaignier. Bon, je l'ai écouté, je l'ai acheté. Alors en fait, ce pépiniériste de Bayonne avait récupéré des châtaignes dans le jardin botanique basque d'Itouraran, de l'autre côté de la chaîne des Pyrénées, où un botaniste espagnol s'était mis en tête d'amener, et vous, si vous allez le voir, vous allez le constater, d'amener du monde entier, du Mexique jusqu'à Chine et Japon, des arbres, on va dire, subtropicaux tempérés, donc des arbres susceptibles de vivre en milieu tempéré plus chaud. Et donc à Itouraran, vous avez une collection de chênes mexicains uniques au monde, sauf au Mexique, bien entendu, mais aussi de Chine et ce châtaignier-là. Donc, au Pays Basque, il y a un arboretum qui s'est dédié dès le départ, dans les années 70-80, à la constitution de végétaux susceptibles de répondre partiellement au réchauffement climatique. Donc, des petites châtaignes de Pays Basque espagnoles arrivées à Bayonne, et j'en ai. Alors donc, je termine, je crois qu'il y en a à tout casser une dizaine en France. À tout casser. Le problème, c'est que il y a très peu de petites châtaignes chaque année, il y en a une cinquantaine, une soixantaine chaque année. Il les fait au fur et à mesure du temps. Et comme elles tombent par terre, que vous avez un certain nombre de voleurs de graines, parfois de moi et d'autres collectionneurs, il y a aussi des petites bêtes. Si vous allez à Espelette, vous allez avoir un peu de bol, vous allez en trouver 3 ou 4 par terre, 3 ou 4 sur l'arbre, mais c'est tout. C'est-à-dire qu'il faudrait venir 3 jours après pour en récupérer 3 autres. Parce que, entre-temps, il y a l'écureuil ou le chapardeur de graines qui sera passé, etc. Donc en fait, on a un goulot d'étranglement. Un goulot d'étranglement, c'est le nombre de graines disponibles chaque année, qui sont étalées, qui sont volées, qui sont récupérées par de la biodiversité diverse. Et on n'a personne qui est allé en Chine. Ce châtaignier, il est de l'est de la Chine jusqu'au sud-ouest, sur 7 ou 8 provinces. Ils en consomment des quantités industrielles, parce que c'est bon tous les hivers, ils font griller dans les rues, etc. Et personne n'a été foutu jusqu'à maintenant d'aller en chercher 25 kilos, 100 kilos, pour qu'on regarde ce que ça donne. Mon rêve, c'est pas d'aller les chercher en Chine, parce que je ferai comme pour les missionnaires, j'en prendrai puis je reviendrai. C'est qu'il y ait enfin une approche sérieuse de cette végétation, de celui-là en particulier, de sa diversité, parce qu'en Chine, d'après les photos que j'ai vues, ça va de la petite châtaigne comme un ongle à la châtaigne comme deux ongles, ce qui est déjà beaucoup, et des tailles d'arbres qui vont, comme sur des spélettes, de 2 à 3 mètres jusqu'à 8 mètres. Donc on a affaire certainement, ce qui est logique, c'est un arbre fruitier dans n'importe quel pays du monde, et les paysans, ils ont commencé par dire, tiens, celui-là, il est mieux que celui-là, puis celui-là. Ils ont fait plein de variétés. Il y a, d'après ce que m'ont expliqué mes amis chinois, une dizaine au moins de cultivars de ce foutu châtaignier. Donc il faut, c'est pas moi qui vais aller chercher 10, il faut des gens compétents qui ont une approche scientifique et qui vont ramener les châtaigniers de Seguin, mais d'autres, pour nos jardins et autres. Parce que celui-là, on peut le mettre dans les haies, on peut le mettre en sous-bois forestier. Et on peut en faire des vergers, si jamais on a l'envie de faire de la cuisine chinoise le week-end. Alors, j'avance toujours. Il n'y a pas que les Chinois, il y a aussi les Méditerranéens. Comme je vous l'ai expliqué, il faut penser que la flore de Méditerranée est une flore adaptée à plus de chaleur, plus de sécheresse. Alors, un des champions, c'est l'arbousier. Il y a plusieurs arbousiers en Méditerranée.
Il y en a le plus connu, c'est l'argousier humédo, celui que l'on a du Pays Basque jusqu'en Bretagne, et qu'on devrait généraliser. Pourquoi ? Parce que il fleurit maintenant, il fructifie d'ailleurs en même temps qu'il fleurit, et il est extrêmement résistant à la sécheresse, à la chaleur et tout. Il y a un hybride naturel avec un argousier grec et un argousier des Canaries. Donc c'est un méditerranéen qui est sous-exploité et sous-utilisé largement et qui encadrerait la floraison du lierre facilement. Alors, je reviens sur la Chine, celui-là. Dans les arbres tempérés, le dernier à fleurir massivement, vous voyez, le premier que je vous ai présenté, c'est le savonnier du mois de juillet, qui fleurit après les tilleuls. Celui-là, il fleurit maintenant. C'est le savonnier Pipinata bipennée, parce qu'il a une feuille bipennée et une inflorescence, vous voyez ça, ces grandes fleurs là, c'est comme ça. C'est magnifique, jaune, et ça attire les abeilles et ça fleurit maintenant. Bipennée, c'est un chinois que l'on trouve en Corée, juste dans le sud. Il est tellement tardif, vous voyez, il fleurit octobre, il est tellement tardif que en Bretagne, je n'ai jamais eu de fruits. C'est-à-dire que il fait trop froid après qu'il ait fleuri pour que les fruits mûrissent. Il fait des fruits sur la Méditerranée. Vous en avez du côté de Nice et dans les jardins botaniques. Il n'arrive à fructifier. Ce qui est intéressant, c'est la générosité de. C'est très spectaculaire. Quand vous en avez un fleuri avec des rampes florales comme ça, jaunes, vous voyez que lui, il n'y a pas de fleurs en octobre de cette couleur-là, massive. Donc, c'est un champion décoratif et c'est très intéressant parce qu'il arrive à une époque où il y a personne. Lui aussi, il est visible à Iturraran, au Pays Basque, et chez nous, sur le cordon méditerranéen, dans quelques jardins botaniques. Et il est pratiquement, comme le castanet à Sémini, impossible à trouver en pépinière pour l'instant. Voilà. Et nous arrivons au lierre. Comme je vous ai dit, le lierre, c'est stratégique. Traditionnellement, c'est la fleur qui va donner les dernières réserves à tout un tas d'insectes en matière de nectar et de pollen pour passer l'hiver. Alors, la floraison du lierre, c'est quelque chose de spectaculaire, d'assez long. S'il fait doux, les fleurs vont continuer à fleurir jusqu'au froid, c'est à s'ouvrir, et on va avoir sur une inflorescence. Vous avez des fleurs ouvertes et des débuts de fruits. Le lierre est capable d'avoir d'un seul coup d'œil au même endroit, vous allez avoir des fleurs et des fruits, des éboles de fruits. Il va très vite. Forcément, c'est le début de l'hiver. Le lierre, il est pressé de fructifier avant les froids. Et tout le monde y va. Là, j'ai mis une abeille, mais vous avez des collections des frelons asiatiques, tout le monde y va. Et alors, je vous ai mis cette photo ici parce que le lierre, on a tendance à se dire, c'est un vieil arbre ou un mur, ou si j'en ai pas. En fait, c'est très facile de mettre un lierre dans son jardin ou dans n'importe quel espace que vous voulez. Le lierre, il pousse sur un support. Là, c'est un poteau dans une vigne. Un poteau de vigne, c'est haut comme ça. Il pousse, et alors curieusement, le lierre, tant qu'il peut monter, il monte. Lorsqu'il ne peut plus monter, lorsqu'il est en haut, alors en haut, ça peut être en haut d'un support comme ça, d'un piquet comme ça, ou d'un arbre de 20 mètres, lorsqu'il est en haut, il commence à être dans le vide, et là, il change de nature. C'est-à-dire que de sa feuille, qui est une feuille jeune, ici en bas, vous le voyez, c'est une feuille trilobée, hein, c'est comme ça, à peu près comme ça, là. Il change de feuille, il devient une feuille simple, cordiforme, à peu près pointue, il change sa feuille, et il fleurit. Le lierre, c'est polymorphe. En bas, la feuille est à trois pointes. Il monte, il change de feuille et il fleurit. Il fleurit en haut de son support. Il n'est pas obligé d'être à 20 mètres. À 1 mètre du sol, il fleurit. Et une fois qu'il a fleuri, il a changé de nature. Il a changé sa feuille et il a opté pour fleurir. En bas, il ne fleurira jamais par terre. Il fleurit en haut lorsqu'il est au-dessus d'un support et qu'il commence à dire qu'il n'y a plus rien pour le tenir, donc il est arrivé là où il pouvait,
là où il aura le maximum de lumière dans sa vie, et il fleurit. Ça, donc c'est un avantage indéniable. Si vous voulez avoir des lierres devant vos ruches, mettez des poteaux, un petit pied de lierre, il va se coller dessus, il va monter, puis vous aurez dans 4-5 ans des touffes de lierre. On peut faire des jolies choses, on peut faire des taupières magnifiques. Si vous avez des grandes buses en acier, en ciment, je veux dire, vous faites monter plusieurs lierres, il va encercler le cylindre et au-dessus, il va faire genre bouchon de champagne. Il monte. Vous avez, c'est très, pour moi je trouve ça très rigolo, la buse habillée de verre et tout d'un coup, le bouchon de champagne préfère. Donc on peut faire des taupières naturellement. Et alors, dernier point, si vous bouturez la tête qui a fleuri, la tête a fleuri, vous la coupez, vous la bouturez. Prenez-en plusieurs parce que ça ne marche pas tous les coups. Vous allez obtenir un lierre qui fleurit sous forme d'arbuste. On appelle ça le lierre arborescent. Alors en fait, le lierre arborescent, ce n'est pas une variété. C'est tout simplement la tête qui a fleuri, que l'on multiplie par greffage et qui reste adulte, entre guillemets, qui fleurit tout le temps. Vous avez donc des lierres, des petits arbustes comme ça, qui fleurissent tout le temps. C'est un lierre arborescent qui est tout simplement un arbre adulte. Une fois qu'il est arrivé adulte et qu'il a fleuri, il ne reviendra jamais tout gamin à ramper, il restera dans sa forme érigée et florale. Alors lui, c'est le champion. Nectar, pollen, et avant le désert hivernal, c'est-à-dire que si vous enlevez les lierres du paysage, vous êtes tranquille, il n'y aura pas d'insectes. Pourquoi il n'y a pas d'insectes dans certains coins? C'est parce qu'il n'y a pas de lierre. Si vous n'avez pas de lierre, vous n'avez pas de réserve, que je vous ai dit au départ, de corps un petit peu, de vitoléogénie, donc vous pouvez dire qu'ils ne passeront pas l'hiver. S'il n'y avait pas de lierre dans mon paysage, il n'y aurait pas d'insectes à l'hiver. Alors, pour le compléter, je vous ai mis quelques... Dans la flore, alors, à gauche, asiatique, chinoise, un marronnier à feuilles d'eau, ça fleurit de maintenant jusqu'en février à peu près. Et à ma droite, le marronnier à feuilles d'eau aussi, est plus petit, un arbuste marronnier nord-américain. Le chinois à gauche, il fleurit sur... Il est 3-4 mètres d'eau. L'américain, il est moins d'un mètre. Le chinois, il vous demande de la lumière. On peut le mettre dans les haies et autres. Et lui, il demande de l'ombre. C'est un arbuste de sous-bois. Très facile à mettre dans les fourrés, dans les forêts. C'est d'ailleurs sa présence dans les forêts à l'Amérique du Nord qui assure le même rôle que le lierre chez nous, c'est-à-dire la capacité à nourrir les insectes à l'hiver. L'autre dont je fais aussi volontiers le panégyrique, c'est l'Elealus, le chalef. Donc il fleurit de maintenant jusqu'à janvier-février. Il pousse, vous voyez, à droite, vous en avez un spontanément dans un arbuste qui se projette avec des longues cales pour s'élargir et s'appuyer sur les arbres, les voisins, pour grandir. Il fleurit et en même temps, on a les fruits en forme d'olive, toute petite. Il est très odorant et très attractif pour les abeilles. Celui-là aussi multiplié par bouture, très, très bon marché, et l'Elealus ou chalef. Il entoure bien le lierre et il est très rustique et capable de vivre dans les pierriers avec de la sécheresse et tout. C'est assez. Voilà. Alors, celui-là, c'est mon préféré pour plusieurs raisons. On est à l'hiver, il fleurit et il a des fruits bleus métalliques. C'est la viornota ou le laurier-tin. Dans les vieux jardins, on appelle ça le laurier-tin. C'est toujours vert, un arbuste de 1 mètre à 3 mètres, selon voire même plus, si on le laisse vivre, qui a la curiosité de fleurir très longtemps, en hiver, d'octobre jusqu'à mars. Il fleurit tout le temps un peu, et il a la curiosité aussi de mettre ses fruits en même temps que ses fleurs. Et autre curiosité, donc il attire les insectes, les oiseaux. Et dernière curiosité, je vous l'ai mis ici, quand vous retournez sa feuille, vous voyez, il y a des amas de petits poils. La feuille de dessous est poilue par petits plombs aux nervures. Et dans ces petits plombs, il abrite l'avantage d'être planqué dans les poils.
et d'embêter, voire de manger, les petits insectes qui mangeraient la feuille. Donc en fait, on pense que la viande thym a choisi d'abriter dans des poils des insectes qui l'aident à se débarrasser d'autres insectes qui mangeraient la feuille. Dans la flore française, il y a plusieurs feuilles qui ont des poils dessus. Les chênes longs, je passe. La viorne thym, ou l'ornée thym selon que vous l'appelez, est sûrement la plante de notre flore qui abrite la plus grande diversité d'insectes ravageurs d'autres insectes dans ses poils. À tel point que la viorne thym, elle est conseillée par les scientifiques pour être mise dans les bordures de jardin et dans les serres pour justement abriter les auxiliaires qui vont protéger les cultures autour. La viorne thym est une plante dite réservoir d'auxiliaires. Pour l'apiculteur, c'est pas ça l'intéressant. Pour l'apiculteur, c'est sa floraison hivernale. Alors, dans toutes les plantes dont je vous ai parlé, s'il y en a une qu'il faut surdoser, mais surdoser dans les jardins, dans tout ce que vous avez, c'est ça. Ça, c'est un jour de mauvais temps, en décembre, janvier, février, il y aura des fleurs. Et il y aura des abeilles, si c'est beau, qui iront voir qu'est-ce qu'elles peuvent coûter là-dessus. Ça ne coûte pas cher parce qu'il est multipliable par bouturage. C'est un, comme le lierre, un méditerranéen réfugié des glaces. Vous voyez, le lierre est fleuri à l'octobre. Lui, novembre, décembre, janvier, février, mars. Quelle idée aurait une plante normalement constituée de fleurir en hiver ? Pour être bizarre. En fait, ces bizarreries que sont le lierre et la viorne thym sont des sauvés des glaces qui étaient prévus pour d'autres climats, où il faisait beau toute l'année, y compris l'hiver, et qui se sont retrouvés. Alors, comme le lierre, la viorne thym, elle a sûrement survécu, ou dans une île de la Méditerranée, ou dans des recoins des Calanques, on ne sait pas bien, ce sont des sauvés des glaces. Les sauvés des glaces qui ont gardé un rythme de floraison qui n'a rien à voir avec ce que le climat normalement aurait dû leur permettre, mais qui l'ont gardé parce qu'elles ont supporté les glaciations et sont revenues. Donc ce sont nos plantes, entre guillemets, locales, qui sont totalement atypiques dans notre flore par la chronologie de leur floraison. Celui-là, il faut absolument en mettre partout. C'est une vieille plante de jardin qui n'est pas très spectaculaire, mais qui est d'une utilité écologique. Par contre, la biodiversité, un hiver extraordinaire. Par contre, ils sont souvent malades. Ils sont souvent malades, ils se couvrent de les feuilles brunies, oui. Elles tombent toutes. Oui, mais c'est pas. Ça repart après. Voilà, ce que je veux dire, c'est pas mortel. Non. Pour l'instant, c'est pas mortel. Alors, les premières fleurs, alors ça, vous les connaissez, c'est les méditerranéens. L'amandier, alors, il est très rustique, contrairement à ce qu'on peut penser, on peut mettre des amandiers partout en France. On n'aura pas des amandes partout. L'amande à moins 5, il n'y a pas d'amande. Mais il y a des fleurs. Donc, en fait, planter des amandiers pour ne pas avoir des amandes, ça n'intéresse personne. Sauf que c'est intéressant parce que c'est le premier arbre de chez nous qui fleurit. Alors, je vous ai mis l'autre. Alors, ça, c'est une allée d'amandiers dans mon Gers natal. En haut à droite, vous avez. Dans mon Gers natal, il n'y a plus d'amandes, mais il y a des amandiers. Il n'y a jamais eu d'amande. Par contre, en haut à droite, vous avez le prunus lumé. C'est un abricotier japonais. Alors lui, il fleurit à Noël. Noël, janvier, février. Il fleurit de façon très étalée, très beau. Des fleurs blanches ou roses ou rouges, voire même selon les variétés. Très belles, qui durent pas très longtemps, mais qui sont très étalées et qui attirent les abeilles de Noël jusqu'au mois de mars. C'est purement anecdotique, mais c'est des cousins. Prunus amygdalus et prunus lumé, c'est des pruniers, sont les premiers arbres à fleurir, et c'est réellement, là aussi c'est pareil, on n'est pas sûr d'avoir un fruit parce qu'il fait trop froid pour que le fruit tienne sur la branche, et le fruit meurt avant tout, mais c'est intéressant pour les premiers abeilles, les premiers insectes, pas seulement les abeilles, qui vont sortir au printemps. C'est très précoce, c'est les plus précoces de nos arbres, ils sortent avant les noisetiers. Alors là, je mets les noisetiers. Dans la flore, y compris chez vous, les premières floraisons apports de pollen massifs, c'est les noisetiers,
ce sont les oisetiers, pardon, les non-chatons. Hein. Ça, c'est très important. C'est, à ce moment-là, lorsque les noisetiers sortent, on peut se dire que, allez, les abeilles qui ont survécu jusqu'à l'arrivée des noisetiers sont sauvées parce qu'il y a à manger du poulet en quantité. Alors, le noisetier, c'est un petit arbuste, vous voyez, vous en avez un ici un peu pleureur. Et là, je vous ai mis un noisetier turc, larve, plus de 10 mètres. C'est un noisetier qui donne des noisettes comme les nôtres, un peu plus dur pour être honnête, mais il a la feuille du noisetier, c'est un arbre, Corylus coliurna, Turquie du Nord, comme le platane. Il supporte, et très rustique, il supporte les grandes chaleurs, la sécheresse, et il fleurit en même temps que les nôtres. C'est typiquement un des arbres adaptés au réchauffement climatique, parce que, comme c'est un arbre avec un puissant système racinaire, il résiste effectivement à la sécheresse et aux grandes chaleurs. Il est maintenant assez fréquent dans les centres-villes, justement pour sa résistance à tous ces stress et à la grande sécheresse et à la grande chaleur. Il est très intéressant parce qu'il pousse aussi droit. Quand je dis qu'il pousse droit, ça veut dire que quand vous avez un arbre petit sous un grand arbre, en général le petit, il tourne pour aller voir s'il peut trouver du soleil à gauche du grand arbre. Le turc, parce qu'il est tout têtu, il va tout droit. Donc, vous pouvez planter des turcs sous des grands arbres, ils cherchent à être droit. C'est très intéressant pour diverses utilités forestières, mais aussi pour l'esthétique, éventuellement. Corylus coliurna, turc. Et alors, ici, comme dans divers territoires français, dès que vous avez des zones humides, vous pouvez faire des collections de sol et d'osier. Je dis des collections de sol et d'osier parce qu'en général, on dit, ouais, les osiers, tiens, il y a le sol au marceau, il y a l'osier des vanniers, etc. En fait, il y a dans notre diversité florale des sols et des osiers. Les sols, c'est les grands, et les osiers, c'est les sols petits qui servaient à faire des paniers. Vous avez un étagement des floraisons de février à avril. On a les possibilités, en étalant les variétés disponibles chez nous, de créer une infrastructure simple. Je pense que je vous ai mis, je vais vous la mettre plus loin ici. Voilà. Une infrastructure simple. Un fossé, ça c'est un fossé municipal du côté du Mont-Saint-Michel, c'est un parking à l'herbe. La mairie a décidé de valoriser l'espace, de marquer les avec des collections d'osier. Donc, on plante et on fait des pétards. Sur ce parking, c'est un parking, vous avez la possibilité d'avoir des chatons. Les chatons sont les fleurs des osiers. C'est les chatons. De février jusqu'à avril. C'est une ressource sous-utilisée dans les bords de rivières, de mares et autres fossés. Je dis ça parce que souvent, nos bords de rivières, c'est le cas ici, je fais ça parce que j'ai été voir, vous avez beaucoup de d'aulnes, de peupliers et des grands saules. En fait, ce sont des grands arbres, très intéressants, mais qui ne sont pas forcément d'une grande diversité dans leur floraison. Avec les sols et osiers disponibles, on peut faire des petits équipements valorisant des zones humides et offrant du pollen. Le pollen des osiers et des sols est un des pollens les plus riches et les plus utiles. Et donc on se retrouve là, avant les pissenlits, avec quelque chose d'assez fantastique. Voilà. J'ai terminé sur la palette. Je ne sais pas si je vais assez vite ou trop vite, mais ce que vous avez vu, c'est que de juin, de la fin des châtaigniers jusqu'au pissenlit, on a des possibilités énormes, énormes, de fournir tous les mois de l'année des fleurs. Et donc du pollen. Simplement, il faut garder en tête qu'il faut diversifier. Une rue qu'on va planter avec des arbres, il ne faut pas planter un seul arbre, il faut en planter divers. Diversifier pour avoir les trois pollens, comme j'ai dit, mais surtout pour étaler au maximum les floraisons. Il faut regarder nos paysages, et vous les regardez autant que moi, en se disant, tiens,
Au mois d'août, il n'y a plus de fleurs. Tiens, on sait pas, il n'y a plus de fleurs. Ah, il y a le lierre. Et pourquoi il n'y a plus de fleurs avant? Parce que les flores que l'on a sous les yeux sont trop spécialisées, trop simplifiées. Et en dessous de ce qu'attendent nos insectes, nos oiseaux, etc. C'est penser toujours diversifier, fleurir. Alors là, je vais vous passer maintenant comment on peut faire. Alors, je vais passer plusieurs exemples. On va commencer par les jardins. Ça, c'est un jardin d'une, peu importe, c'est un lecteur, un des premiers lecteurs de mon livre, qui m'a dit, et ça m'a fait plaisir, m'a dit, j'ai pris ce que vous avez raconté et j'ai essayé de planter dans mon jardin des arbres et arbustes de façon à alors il l'a mis en printemps, été, automne, de façon à avoir, alors il a mis tout ce qu'il a pu trouver dans ses pépinières et tout, de façon à ce que dans son jardin, il a mis de tout, de façon à avoir pour ses ruches qui sont au milieu là, des floraisons toute l'année. Il s'est dit, tiens, je vais faire avec ce que je trouve chez les pépiniéristes, c'est ce que vous racontez, etc., en sorte qu'il y ait tous les mois quelque chose qui fleure. On peut, dans un petit jardin, parce qu'il est grand, le sien, mais on peut, dans un petit jardin, avoir des fleurs, arbres et arbustes, toute l'année. Voilà, ça c'est un jardin d'un particulier. Alors, les opérations plus conséquentes, je vous en montrer quelques-unes. C'est quand on dispose de linéaires, on peut mettre des haies, on va pouvoir, sur un linéaire, plus ou moins épais, plus ou moins profond, mettre ce qui est la caractéristique d'une haie, des végétaux bas, des arbustes, des végétaux moyens, des arbrisseaux et des arbres. L'idéal d'une haie, c'est de devenir comme une espèce de forêt linéaire avec toutes les trois strates, du bas, du moyen, du haut, et plus ou moins épais. Si vous avez la chance, là j'ai dit une haie simple, une seule rangée, si vous pouvez faire deux rangées, c'est encore mieux, trois rangées, c'est encore mieux. Pourquoi je dis ça? Parce que dans les espaces au sol d'une haie, vous créez des zones où vont se mettre des herbes, éventuellement des ronces, et surtout un sol qui va abriter quantité d'insectes qui se logent dedans. Et au-dessus, vous allez avoir une imbrication des strates végétales, des branches, et qui vont faire des milieux où il y aura de l'abri, se planquer, et des fleurs très étalées. Donc la haie, c'est quelque chose d'assez... C'est le secret d'une haie mellifère pour la biodiversité en général, c'est une haie où on va mettre non pas 1, 2, 3 ou 5 variétés, mais 10 ou 15. Une haie, c'est une forêt extrêmement diversifiée. Pas peine de faire une haie, comme la végétation qui entoure déjà vos parcelles, il faut faire des haies où on va justement empiler la plus grande diversité végétale possible en taille et en chronologie de floraison. Alors, je vous ai mis, peu importe les végétaux, il y en a une en haut, vous allez reconnaître, c'est une haie où on a glissé un savonnier, la floraison jaune. C'est très rare de voir une haie où il y a de tout, il y a des noisetiers, des sorbiers, des églantiers, et tout d'un coup vous trouvez, on est en été, un des arbres dont j'ai parlé, un cadre terrestre. Donc les arbres dont je vous ai parlé, arbres et arbustes dont je vous ai parlé, peuvent tous se loger à dose 3-5% dans des linéaires de façon à justement combler les manques de floraison d'une haie classique. Le grand défaut des haies que l'on a actuellement dans le paysage français, c'est d'être de plus en plus monospécifique et d'être très étroite. Trop étroite, mais trop spécialisée. Alors, ça, ce sont les forestiers. Les forestiers commencent à avoir des programmes, justement, d'introduction d'espèces végétales pour enrichir la biodiversité des massifs forestiers. Alors, le problème des peuplements forestiers en France, comme dans beaucoup de pays, c'est d'être souvent homogène. Vous avez forêt de pin, forêt de mélèze, forêt de sapin, forêt de châtaignier, forêt de chêne, etc. Donc, les forestiers ont procédé logiquement par une plantation, comme nous on fait du maïs, donc des arbres monolithiques, avec souvent des densités très fortes, et donc des sous-bois extrêmement réduits. Sous les pins, il n'y a pas grand-chose. Sous les chênes, il y a un peu mieux, mais en général, c'est très ombré et très pauvre en diversité végétale et donc en diversité animale. Alors, les théories en cours chez les forestiers qui disent
je vais enrichir la biodiversité de ma forêt. C'est d'essayer de faire des peuplements forestiers au moins avec deux espèces, genre châtaignier, sorbier, ou mettre des arbres un peu différents ensemble, ce qui n'est pas toujours évident, parce qu'ils ne grandissent pas de la même façon. Mais surtout de travailler les lisières. Et la lisière, c'est en fait comme une haie, sauf qu'elle est périphérique au massif forestier, et on procède toujours de la même façon, les petits végétaux à l'extérieur, là où il y a le plus de lumière, et on fait monter progressivement jusqu'aux arbres qui vont toucher le peuplement forestier. Donc, ourler et fourrer, c'est comme ça que les termes des forestiers, peuvent faire entre 6 et 8 mètres, de façon au moins assurée en lisière, qui est la partie la plus éclairée de la forêt, une biodiversité. Ça va être bon à la fois pour les insectes et surtout pour le gibier et la chasse. Donc il commence à y avoir des programmes, un projet qui s'appelle Médifore, comme Médifère et forêt, Médifore, qui se développe et qui a quelques exemples assez frappants maintenant en Bretagne et en Pays de Loire, basés justement sur ce principe de plantation d'arbres très diversifiés en lisière. Eux, le châtaignier de Seguin, en particulier en Bretagne, les intéresseraient beaucoup pour la chasse. Alors, le dernier point, j'ai appris un mot, oasis de biodiversité. Je l'ai appris aujourd'hui. J'appelais ça avant un îlot, mais c'est mieux une oasis. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est un. Vous imaginez un rond-point. C'est facile en France d'imaginer les ronds-points. Il y en a plus de 3000, maintenant on sait tous ce que c'est qu'un rond-point. C'est rond, on tourne autour. Alors, on tourne autour et on va essayer de le peupler avec des végétaux qui vont fleurir toute l'année. On commence à l'extérieur avec ceux qui sont bas, on peut faire des individus, on peut faire surtout, ce qui est finalement le mieux, des massifs où on va mettre 3 ou 4 vernetins, 3 ou 4 alliages. Donc tasser des végétaux, des arbustes, puis procéder vers le centre, par des arbres moyens jusqu'au plus haut arbre. Alors là, selon l'intensité de main-d'œuvre qu'on veut y mettre, si vous voulez avoir du travail de désherbage, vous n'en mettez pas beaucoup. Si vous voulez très vite ne plus aller chercher à désherber, vous empilez les végétaux. On dit traditionnellement un arbre tous les 6, 8 mètres, 4 mètres. Un arbuste tous les 1m50, 50 cm. On tasse. Ça veut dire que chacun va avoir peu de place, ils vont tous s'agglomérer, fermer le milieu. Un, l'herbe ne pourra plus vraiment venir embêter tout ce joli monde. Deux, pas beaucoup de monde, sauf les animaux, ne pourront y rentrer. Et trois, au fur et à mesure du temps, il va y avoir une certaine concurrence. Et un certain équilibre, certains végétaux vont trop tasser et mourir, certains arbres vont être dominés, etc. Mais le résultat va être un ensemble végétal fermé, solide, et qui va assurer ce qu'on cherche après tout, c'est un maximum de fleurs, un minimum d'entretien, et une certaine résilience collective. Alors ça paraît... évident, mais ça commence à devenir, bon, vu de l'extérieur, c'est ça, que vous avez une espèce de pyramide végétale avec des petits, des moyens, des grands. Alors, pourquoi j'en parle? Parce que dans notre paysage, à part les ronds-points, dans le paysage agricole français, si vous regardez dans la plupart des pays qui ont perdu les haies, c'est-à-dire les trois quarts du territoire, il y a des points qui sont restés bizarrement délaissés. Alors, ça, c'est typique. Pourquoi? Alors, parce que ici, on est en Gascogne, et c'est une rupture de pente. Il y a une rupture de pente avec des cailloux qui affleurent. Donc là, on se retrouve avec des pruneliers, la strate basse, ça va être des pruneliers avec des ronces, et des chênes. Donc, en général, c'est délaissé, mais c'est vrai aussi en Beauce ou partout où on a labouré tout ce qu'on pouvait. Les délaissés sont souvent des flores simples, dont on ne s'occupe plus, parce que là, plus personne n'y va, parce qu'on laboure autour. Bon, peut-être que les chasseurs se baladent avec les chiens pour aller voir s'il y a quelque chose, mais globalement, on a laissé dériver
ce type de DLC sur un ou deux arbres, espèces d'arbres, et la broussaille qui spontanément s'y met. Très souvent, on y trouvait des vieux pneus, des vieux... Bon. Les bosquets, entre guillemets, sont des espaces délaissés, mais délaissés en déshérence. Et en fait, il y en a beaucoup. Et le concept d'îlot, c'est un peu la reprise de ces éléments du paysage qu'on va chercher à enrichir, à diversifier et à densifier pour éviter justement le piétinement et puis le départ d'une végétation que l'on veut protéger et surtout installer là où elle n'est plus. Le but de l'oasis ou de l'îlot de l'oasis de biodiversité, c'est de mettre une variété végétale là où elle n'existe plus. Alors là, je vous ai mis des photos. La première fois que j'en ai vu un, je n'en revenais pas, mais c'est comme ça lorsqu'on regarde les choses. On est au bois de Boulogne, apparemment. Alors le bois de Boulogne a plusieurs caractéristiques, dont une, c'est d'être très spécifique, monospécifique. L'essentiel du bois de Boulogne sont des charmes. Il y a une certaine logique dans tout ça. Et la deuxième caractéristique du bois de Boulogne, c'est d'être hyper fréquenté. Il y a des gens qui courent aussi, Et alors donc en fait, lorsque les forestiers parisiens les employés aussi parisiens veulent un peu réparer les végétaux et surtout diversifier, ils n'ont pas 36 solutions. Ils mettent en défend, vous voyez, s'il y a des clôtures, on ferme. Avec des clôtures, comme si on gardait les moutons, on ferme un espace assez un îlot. Et dedans, ils plantent. Alors, ils plantent selon ce que j'ai dit, c'est-à-dire on commence dehors par mettre, alors là il est quand même assez âgé, mais là vous avez, au premier plan c'est un noisetier, après vous avez un sorbier, puis vous avez des prunes à l'autre bout. Donc on commence par tout un tas d'arbustes qui, très densément peuplés pour, en plus du grillage, faire en sorte que les gens ne rentrent pas. Et puis dedans on met des érables et un tétradium, vous voyez le tétradium ici, lorsqu'il a fleuri on voit c'est l'arbre à miel. Donc on voit ces grappes bleues, rouges, pardon, et encore plus fort, un peu pire, au milieu de tout. Donc en fait, c'est sur des petits espaces de 20 mètres de rayon, même pas, une densification de végétaux. On va mettre une dizaine ou une quinzaine d'espèces là-dedans, formes différentes, entassées pour tout simplement éviter que les gens y rentrent. Que les gens s'installent, pique-niquent, fassent du barbecue, ce que je sais. Et donc, en fait, tout ça, c'est pour protéger et pour éviter aussi d'avoir à s'en occuper très rapidement. Le problème de la haie, de l'îlot, et comme chez vous, dans vos jardins, le problème des végétaux que l'on installe, c'est de les protéger. Alors, les protéger contre les chevreuils et les lapins, mais contre l'herbe. Donc, planter, c'est s'engager à une maintenance extrêmement coûteuse. Alors, pour régler le problème, il y a qui mettent des bâches plastiques dans les bâches plastiques. C'est pas terrible, mais bon. Et puis l'autre solution, c'est de surdensifier. On plante dense pour éviter d'être embêté trop longtemps par l'herbe. C'est le cas de ces îlots. Donc en fait, vous voyez, le principe, c'est. Et on peut le décliner, ça c'est le bois de Boulogne, on peut le décliner à l'infini. On peut le décliner au milieu de la bosse, au milieu de 600 hectares de céréales, vous avez tout d'un coup un bosquet. On peut l'enrichir, le transformer en quelque chose qui va être une mini-forêt dont la biodiversité va profiter plus que vous, mais on est sûr que là-dedans, il va y avoir des insectes, des oiseaux, de quoi manger, des abris, et une végétation extrêmement différente de celle qui est autour. Alors ça peut être en milieu ouvert ou en milieu forestier. Les forestiers, je vous ai dit qu'ils travaillent sur les lisières, mais les forestiers... qui ont des grands massifs dans le nord de la France et qui se disent que les chênes du nord de la France ils vont souffrir de la sécheresse et qu'il serait bon de les remplacer par des chênes du sud. Ils vont chercher des glands
à Sainte-Baume pour les amener à Verdun, eh ben, ils amènent les glands du sud, ils font un rond dans la forêt, de chêne du nord, et ils plantent leurs glands du sud. Donc on fait des îlots pour aussi changer la génétique au milieu d'une forêt du nord avec de la génétique du sud. Donc là, c'est un peu différent, mais le principe est le même. On amène des arbres venus de Dieu sait où pour fleurir toute l'année dans des espaces où il n'y a qu'une espèce ou que des floraisons perpétuelles. Et ça, c'est, on peut le décliner, comme je dis, dans les forêts, dans n'importe quel espace, y compris en milieu urbain, parce que la ville de Paris commence à expérimenter. Alors, cette idée de l'îlot, ils appellent ça les îlots de. Il y a des îlots de chaleur dans les immeubles, dans les quartiers très bétonnés et très goudronnés. Donc, une façon d'amener un peu de fraîcheur et de la vapeur d'eau et de l'ombre, c'est de végétaliser. Et de végétaliser rapidement, avec les moindres coûts, entre guillemets, possibles. Et la solution de l'îlot à l'espace urbain est aussi une solution qui commence à être appliquée. Avec, il y a toute une théorie, mais pour ce qui est beau, d'un écologue japonais, dont j'ai toujours oublié le nom, et il a un joli nom japonais, et qui lui dit, mais il ne faut pas mettre tous les arbres, il faut tous les mettre, ou tous les mettre 50, il faut les mettre à 50 cm les uns des autres, donc surdensifier à un niveau complètement fou, pour éviter toute maintenance, et créer comme une espèce d'émulation et de guerre, entre guillemets, entre les végétaux, parce qu'ils seront tellement tassés, qu'il y aura toujours une couche végétale qui va dominer les autres, à moindre coût et très rapidement. Voilà où on en est dans certains milieux très difficiles, milieux urbains très difficiles. Bon, il n'empêche que cette façon de traiter des petits espaces, là je vous ai montré, je vous l'avais déjà montré, est très intéressante. Alors je vous montrer aussi deux photos pour vous rappeler que les municipalités s'intéressent à des espaces où traditionnellement il y avait peu d'arbres ou des arbres peu diversifiés. Je vous ai mis en haut à droite une photo d'un cimetière, un des plus beaux cimetières parcs de France, c'est celui de Nantes, et un maintenant plusieurs. L'idée, c'est de faire un cimetière où on crée des îlots, et dans ces îlots, on met des tombes, ou des columbariums, etc. Le but du jeu, encore une fois, c'est de faire du cimetière une espèce de, pas de parc de promenade, bien que les gens vont se promener, mais un espace où la nature est revenu en force. La plupart des cimetières français, vous le constatez, sont des juxtapositions de dalles sans beaucoup de végétaux. Bon, il y a plusieurs. Ouais. Oui, non, c'est ça. Les pays protestants ont déjà végétalisé. Mais c'est vrai que chez nous, c'est assez marginal. C'était marginal. Ça commence à venir. Je dis ça parce que c'est un des rares espaces municipaux partout en France où il y a, je ne dis pas que c'est facile, mais où il y a matière à végétaliser et à mettre de la diversité. Alors, le deuxième exemple que je vous ai mis, c'est dans le Jura suisse. Les années de canicule en France, quand vous allez dans un supermarché ou ailleurs, vous constatez que les places de parking à Londres, il n'y en a pas assez. Ça, c'est une caractéristique de tous les parkings français, centres commerciaux et urbains. Et alors, dans le Jura suisse, depuis cet été, les Suisses ont toujours fait un référendum, et paf, un arbre pour 5 places de voiture. Ils ont décidé que dorénavant, toutes les municipalités dans le Jura suisse devraient mettre un arbre pour 5 places de parking. Je vous dis ça parce que là aussi, c'est un espace ouvert. Pas facile non plus d'aller dire aux gens qu'on va leur supprimer une place sur 6. Une place sur 6, n'est-ce pas? Mais c'est une solution pour végétaliser. Et je passe. Alors voilà, tout ce que je vous ai raconté, je me suis dit, mais bon, il y a un pays, et ça je l'ai découvert il n'y a pas en France, c'est au Chili. Il y a un pays qui a décidé de prendre le problème du réchauffement climatique et de la baisse de la biodiversité de façon assez musclé, avec tous les apiculteurs concernés. Donc ils ont lancé un programme d'apiforesterie, ils appellent ça les huertos mellifères, ça veut dire les jardins mellifères. En clair, ça veut dire quoi? Ça veut dire que chaque apiculteur volontaire
se verra aidé pour planter devant son rucher 1 à 3 hectares de jardin mellifère. Alors, c'est quoi un jardin mellifère? C'est, vous allez voir ici, là, c'est un espace dans lequel on va mettre au moins une quinzaine d'espèces végétales, de façon à ce qu'il y ait tous les mois de l'année des fleurs en face du rucher. Et dans ces espèces végétales, alors, il y a les espèces chiliennes, dont certaines sont chez nous, et puis des espèces étrangères, en l'occurrence des acacias, notre acacia de la côte d'Azur, mais aussi des eucalyptus. Donc, les Chiliens ont réfléchi avec les forestiers, quelle est la palette d'arbres et d'arbustes chiliens ou venus d'ailleurs, qui vont nous permettre de mettre des fleurs devant nos ruchers toute l'année. Donc, entre 2015 et 2020, ils en ont fait une centaine. Pour moi, c'est assez extraordinaire parce que, d'abord, parce que, vu l'échelle du projet, c'est assez vite et magnifiquement réalisé. Ça a été réalisé scientifiquement parce que les forestiers leur ont dit voilà. Et les forestiers ont mis les pépinières adéquates pour fournir les jeunes arbres. Et enfin, pourquoi c'est assez extraordinaire? Parce que le Chili, vous l'avez en tête, c'est un pays tout en longueur, très étroit. Il y a le Pacifique, alors pour vous, il est là le Pacifique, et la cordillère des Andes, c'est très étroit, très haut, pentu, souvent très sec, et entre le nord désertique et le sud, où il y a les glaciers, on s'appelle le froid, la terre de feu, vous avez tout un tas de climats. Et la zone qui a été concernée par ce projet est la zone qui est la plus semblable à notre climat. C'est là où se trouvent les vignobles, les noyers, enfin, l'arboriculture tempérée et la viticulture tempérée chilienne. Qui souffre beaucoup plus du réchauffement climatique que la nôtre? Tout simplement parce que si vous voyez ce pays tout en longueur, il n'y a pas d'inertie. L'avantage de la France, la Méditerranée, l'Atlantique, des grandes masses d'eau, une surface assez importante, une inertie thermique assez forte. Vu la taille du pays, c'est assez fort et tempéré par la Méditerranée et l'Atlantique. Le Chili, le Pacifique, les Andes, très peu de terre, tout comme ça. Le réchauffement climatique se visualise très vite. Il n'y a pas d'inertie. Et les années sèches, c'est une catastrophe. Il ne pleut pas dans la montagne, il n'y a pas de torrent, il n'y a pas de... Donc, ils ressentent beaucoup plus que nous les effets du réchauffement climatique. Et leur réponse a été, celle que je raconte, il faut absolument mettre des fleurs toute l'année devant les ruches. Encore une fois, c'est un pays d'apiculteurs, mais qui a fait comme nous, qui a fait une agriculture très modernisée. Vous voyez la forêt, les Chiliens ont une forêt de pin, des eucalyptus pour faire des forêts d'eucalyptus. La vigne qui n'existait pas, ils l'ont introduite. Les abeilles qui n'existaient pas, ils les ont introduites. Donc c'est un pays totalement atypique, entre guillemets, puisqu'il s'est bâti une diversité totalement étrangère sur des bases autochtones. Et ce projet, alors, contrairement à ce qu'on pourrait penser, n'exclut pas les étrangers, les plantes étrangères, au contraire, les intègre dans les plantes locales. On a affaire là à une foresterie, c'est-à-dire volontairement, on plante pour une biodiversité. Bon, 1 à 3 hectares par apiculteur, c'est pas grand-chose. Ceci dit, à l'échelle du Chili, et alors, c'est sur une province, d'après ce que j'ai lu, ils vont prolonger à d'autres provinces cette opération. Encore une fois, c'est un mélange apiculture, foresterie, agriculture qui fait qu'on marque quand même le paysage. Alors, ici, je termine, je vous enverrai le PowerPoint. Je termine avec trois lectures que si vous avez un peu de temps, et sur Internet, c'est disponible gratuitement. Trois lectures qui me semblent intéressantes pour que vous confortiez votre vision. Le premier, c'est un article, une synthèse anglaise, les arbres et les abeilles. Relativement récent, 2018, chercheur anglais qui a compilé tout ce qu'on peut faire avec des arbres pour aider les abeilles et autres insectes. Le deuxième article, il est en anglais, mais il y a des chercheurs français qui ont participé. Il dit que les petits bosquets sont plus importants que ceux qu'on a toujours pensé.
Alors, les petits bosquets, c'est ce que j'ai appelé les oasis de biodiversité. Alors, on a toujours pensé, et on pense toujours en France, qu'on va s'en sortir en remettant des en pagaille, en faisant des trames vertes, des trames bleues, des machins. On a toujours des visions un peu mégalo, excusez-moi du mot, mais c'est un peu comme ça. On s'obstine depuis 30 ans à considérer que la solution, c'est de replanter des. Je suis pour la replantation, mais il n'y a pas de problème, il faut en mettre partout où on peut. Mais il faut en mettre partout où on peut, ça n'avance à rien. Parce que on constate que on a beau planter des, on continue en France à détruire trois fois plus de haies qu'on en plante. Chaque année, c'est comme ça. C'est donc il y a un problème quelque part. Ce n'est pas la mauvaise volonté. Nos agriculteurs, ils ne sont pas contrôlés, ils sont pour travailler correctement. Donc il y a un problème quelque part de conception. Oui, il y a un problème de conception dans la réponse par rapport à tout ce que j'ai dit et à la gestion de l'espace. On est sur des solutions qui ne sont pas pratiques ou pragmatiques et d'ampleur face au problème. Cet article, Tiny Woodland, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout ce qu'on considère comme les délaissés, tous ces bouts de terre où il y a de la broussaille, des arbres où on fait des activités ludiques, etc., les cimetières, pourquoi pas, tous ces petits espaces que l'on n'intègre pas dans une vision prospective sont une solution. Et l'article le démontre, c'est pas parce qu'il n'y a pas une trame verte entre Dunkerque et Marseille que les petits oiseaux ne vont pas se déplacer. Ils se déplacent, les petits oiseaux, s'il y a des îlots. Les îlots, preuve a été faite par ces chercheurs, sont des sources qui amènent une biodiversité à se déplacer, et donc une certaine répartition sur le territoire de ce pollen, de ce foutu pollen qui manque pour que de la biodiversité revienne dans les vignobles, dans les champs de maïs, etc. Voilà. Ça, c'est, cet article, il est récent, il est 2019, c'est pas un article contre quelque chose, c'est un article pour dire nous avons notre paysage, sous la main, des petits espaces délaissés qui sont plus faciles à travailler que de se lancer dans des trucs des trames. Ça commence à m'agacer le mot trame, donc je vous en fais profiter. Et alors le dernier point, c'est un article pourtant assez vieux, de 1939. Alors là c'est quelque chose d'assez intéressant. Ce sont reconquêtes d'espaces agricoles abandonnés. Enfin, alors, on est dans le sud de la France, sud-est, là où l'agriculture a eu le plus de déprises, c'est-à-dire où des communes entières ont perdu leur activité à l'agriculture parce que c'était trop sec, c'était trop difficile de travailler les terrasses, parce que la viticulture est périclite. Donc on est dans l'Languedoc-Roussillon, des mauvaises terres, et là les forestiers se sont dit qu'est-ce qu'on fait avec des espaces complètement délaissés. Et ils ont mené un travail de recherche sur des espèces et des façons de planter. Alors, en se disant, qui est-ce qu'on peut intéresser au bout du compte avec des petits espaces? Les apiculteurs, les chasseurs, cinégétiques, et les amoureux de la nature. Et ils ont dit, bon, il y a 3 hectares ici, qui c'est qui les veut? Est-ce que c'est le rocher école? Est-ce que c'est le club la LPO du coin? Est-ce que c'est les amateurs de chasse, pêche nature, etc.? Bon, ils cherchaient des opérateurs en leur disant, vous allez avoir à gérer des petits espaces abandonné par les agriculteurs, on vous propose des solutions végétales de gestion et de valorisation. Et ce programme très intéressant, dédié effectivement à un certain type de délaissés, il faut le lire parce qu'on y apprend quand même quelque chose, mais n'a pas été suivi. Peut-être parce qu'il est resté à ces époques de 1929, il est resté dans cette option d'aménagement du territoire. Qui n'avait pas à l'époque les couperets qui nous arrivent sur la tête du réchauffement climatique, 99 personnes en parlaient trop, et surtout de perte de biodiversité. Il faut voir que les chiffres qui ont été rappelés de perte de 30%, pratiquement on a perdu 30% des insectes, 30% des oiseaux, 30% des batraciens et 30% des vers de terre. Pourquoi cet ordre de grandeur? C'est gigantesque. Un tiers de la biodiversité.
on s'en est rendu compte parce qu'on a commencé à les compter, et c'est postérieur à tout ça. C'est-à-dire que les articles 2018-2019 sont dans notre contexte, dans notre problématique. Des arbres et des bosquets. Le troisième, qui était plus de l'aménagement, n'avait pas cette espèce d'urgence en ligne de mire. Voilà, j'ai terminé, j'ai été long, excusez-moi. Vous allez m'en mettre. Comme particulier, ça vaut des pistes. L'échange peut commencer, s'il y a des questions, quelqu'un d'entre nous, plus rapide que moi, portera le micro. Oui, concernant le châtaignier de Séguin, je voulais savoir quelle taille on pouvait espérer obtenir en France. Vous avez dit 8 mètres dans le pays d'origine. Alors, je ne peux pas vous répondre parce que la population que l'on a ici, c'est un individu au Pays Basque espagnol qui a fait quelques individus qu'on a en France. Le seul individu qui était répertorié dans le jardin botanique à Paris, qui est étiqueté châtaignier de Séguin, n'est pas un châtaignier de Séguin. Il fait 4 mètres. Le châtaignier de Séguin, c'est le seul châtaignier qui fleurit tout le temps. C'est facile à repérer, un châtaignier qui fleurit tout le temps. Et donc celui du jardin botanique de Paris ne l'est pas. Donc en clair, l'espagnol il fait 4 mètres, et le français il va faire 2,50 mètres, donc pas 3 mètres. Et ce sont des arbres dominés. Quand je dis dominé, le châtaignier de Séguin, il peut être employé en sous-bois. C'est ça qui est intéressant à regarder. Vous le mettez sous des grands châtaigniers, ou dans une haie, etc., ou en lisière de forêt. Donc ce que j'ai vu, moi, sont des arbres dominés, alors que les Chinois les utilisent en verger à fruits. Pour vendre les graines. Et donc là, ils sont. Voilà ce qui est dit dans les livres. Et encore une fois, c'est très difficile à raconter parce que la littérature botanique chinoise est en chinois. Et donc, ça pose vraiment un problème de compréhension. Donc, le peu que j'ai. L'accès à des textes qui en parlent. En français, il n'y en a pas. C'est donc des textes anglais, américains, essentiellement américains. Et donc, voilà. Si je ne peux pas répondre à cette question, faute d'observation suffisante. Je vous remercie d'abord pour votre exposé. J'ai trois questions. La première, c'est quand on plante un arbre, la première chose, c'est que il faut regarder quel type de sol on a et si le sol convient à l'arbre. Vous n'en avez pas parlé, donc je suppose que la plupart des arbres que vous avez cités vont bien dans notre région. La deuxième, vous avez parlé de surdensification, alors qu'à l'époque du changement climatique, on va avoir une perte d'eau, et donc surdensifier, ça va diminuer la ressource en eau pour les arbres, et on pense plutôt dans le milieu forestier à élargir plutôt que de surdensifier de façon à laisser aux arbres suffisamment d'eau. Et la troisième question, c'est est-ce qu'il y a dans les arbres que vous avez cités des espèces invasives? Je pense par exemple au laurier que les chasseurs ont planté dans le temps et qui maintenant envahissent plus ou moins les forêts. Est-ce que donc dans les arbres que vous avez cités, il y a des essences qui seraient plutôt invasives dans notre région? Je vous ai parlé de végétaux qui sont adaptés à des sols acides. Le plus susceptible d'être discriminé en France, c'est le châtaignier de Séguin, c'est un châtaignier, donc les châtaigniers ne poussent pas en sol calcaire. Là où il y a des châtaigniers, le châtaignier de Séguin va pousser. Même si la littérature dit qu'il pousse mieux que d'autres châtaigniers dans les sols neutres. Voilà.
Et là, tous les arbres dont je vous ai parlé poussent ici sans problème. Les sols et leur rusticité climatique, la résistance au froid, ne posent pas de problème. Deuxième point, c'est la densité. Alors vous avez raison, le but du jeu, c'est pas de planter à des volumes ou à des espacements définitifs. Le but du jeu, c'est de planter dense au départ pour gagner en maintenance, avoir, voilà. Et gagner en, c'est souvent le cas dans les petits espaces, on met en défense. C'est-à-dire, il faut que la végétation se protège des... Par contre, vous avez raison, ce qui va se passer avec le cours du temps, c'est un élagage ou naturel. Certains vont dominer et exclure les faibles, entre guillemets, ou les inadaptés. Et surtout, je pense qu'effectivement, lorsque l'îlot va devenir plus ou moins mature, il y aura une intervention, comme le font les forestiers, de... On a mis trois érables, on en gardera. C'est-à-dire que, voilà. Donc il y aura une conduite malgré tout. Mais le but de la surdensification au départ, c'est plus une histoire de mise en défense et de lutte contre l'envahissement. Le problème de la main-d'œuvre, partout où j'ai discuté avec les villes et les forestiers, c'est le goulot d'étranglement. Pourquoi on fait des haies simples, trop simples en France ? Parce qu'on les fait très vite méthanisables et on les traite avec des outils, pas à la main, mais des outils qui discernent mal ce qu'on coupe. On coupe tout droit et on broie, etc. Plus ou moins bien d'ailleurs, et n'importe quand. Donc en fait, la maintenance est un facteur très important de la qualité de ce qu'on veut à la fin. Ça, c'est ce que j'ai compris du problème de la haie, de l'îlot et de la forêt. Et alors, le troisième point. Alors là, c'est un sujet. Les arbres dont j'ai parlé sont des arbres qui ont été introduits, plus ou moins il y a longtemps, plus ou moins un siècle, qui n'ont jamais été disséminés en milieu champêtre ou à des doses homéopathiques. Ils sont en milieu urbain. Aucun en milieu urbain ne devient invasif, parce qu'il y a des goudrons, il y a une voiture qui passe, il y a un forestier. Alors, ce que je peux vous dire, c'est que aucun des arbres dont j'ai parlé n'a nulle part dans le monde montré une certaine invasivité. L'amorpha fruticosa. Sauf l'amorpha fruticosa, ou un début d'IA dont j'ai parlé, le début d'IA de l'année. Ce sont, je l'ai dit pour l'amorpha, mais j'aurais pu le dire pour le bidéa, ce sont des arbres pionniers qui s'installent vite. Qui s'installent vite lorsque le milieu est ouvert. Alors le milieu est ouvert parce qu'en général, on fait des manœuvres irrespectueuses d'une certaine logique. Il n'y a pas de raison d'ouvrir des espaces et de ne rien y faire pendant X mois. Si on ouvre un espace, c'est pour y faire quelque chose. Donc, si on ouvre un espace et qu'on y plante ce qu'on veut y planter, il ne va pas y avoir d'invasif. Je m'exprime peut-être brutalement, mais on a des invasifs que parce qu'on a des espaces qu'on leur a ouverts, qu'on leur a laissés. Si vous avez des espaces occupés, aucun arbre ou aucun arbuste n'est invasif. La preuve, c'est que le fructicosa, vous lui mettez deux arbres dessus, il dégage. Le budléa, pareil. Le pire des arbres, je n'en ai pas parlé parce qu'il ne fleurit pas dans les époques qui m'intéressent. Vous avez vu, je dis qu'il faut chercher des arbres qui fleurissent après juin. Un arbre fantastique et d'énorme qualité, mais qui a un très gros défaut, c'est les lentes. Je ne sais pas si vous connaissez les lentes. C'est un arbre chinois qui a des grandes feuilles très spectaculaires, on dirait qu'il vient de la forêt amazonienne, qui pousse à une vitesse exubérante. Et effectivement, c'est l'arbre invasif français, dans toute la littérature. Il était planté au début du siècle dernier, en banlieue parisienne, parce que on rêvait d'élever des vers à soie avec les lentes. Donc on a fait des milliers d'hectares autour de Paris. Est arrivée la soie synthétique. Ça a été la mort du petit cheval.
Et donc, tous les Parisiens qui avaient planté des élans les ont déplantés. C'était pas invasif. On l'a tué, terminé. Qu'est-ce qui s'est passé après? On a eu dans les banlieues parisiennes des plantations d'élans parce qu'ils poussent vite dans le béton, dans le goudron, là où il fait chaud, là où personne n'arrose, entre deux plaques de béton, ils poussent. Donc on a trouvé un champion pour cacher la misère dans les banlieues parisiennes. Et petit à petit, il est parti de Paris et depuis peu, il est arrivé à Orléans. Il a pris l'autoroute. Les lampes ont pris l'autoroute. Et c'est le cas de dire. Vous avez une bande longue d'autoroute, c'est simple, vous avez ou de l'acacia ou de l'élande. Acacia et élande. Pourquoi? Parce que le long de l'autoroute, les sociétés d'entretien, droit, n'importe quand, pratiquement les chantiers, un chantier. Donc ils ouvrent l'espace. Quand vous ouvrez l'espace, ce que j'ai dit tout à l'heure, si vous ne replantez rien, qui c'est qui s'y met? L'acacia, il va drageonner à 400 mètres, puis à 400, etc. Et l'élan qui fait pareil. Donc on a des invasifs, je le pense honnêtement, on a des invasifs parce qu'on malmène nos espaces. Dans un espace aussi, c'est comme ça qu'on dit, anthropisé que l'espace français, quand j'ai dit anthropisé, ça veut dire qu'en France, vous n'avez pas un mètre carré de terre où il n'y a pas quelqu'un qui est passé le mois dernier ou l'année dernière. On est dans un milieu où la biodiversité est entièrement sous notre mauvais contrôle. C'est le cas de dire. Donc il n'y a plus de zone sauvage en France. Donc un arbre invasif, c'est un arbre qui rentre dans un milieu hyper anthropisé où personne ne s'occupe de rien. Ça, c'est ma définition d'un arbre invasif. Ça ne plaît pas à tout le monde, mais c'est la réalité. Donc je reviens à mes arbres chinois. Non, ils ne sont pas invasifs. Pour deux raisons. Aucun n'a un potentiel de reproduction aussi efficace entre guillemets que l'acacia. Même le sophora, qui est de la famille des légumineuses, il ne se barre pas. Et je n'ai jamais vu de. Le seul qui fait des semis plus ou moins spontanés, c'est le culrotéria, le savonnier. Vous avez sous un savonnier, vous avez des petits savonniers que vous pouvez arracher et replanter plus loin si vous voulez. C'est le seul dont les graines ne sont pas toutes chipées par les oiseaux. Mais le tétradium qui fait des milliers de graines, je n'ai jamais vu un tétradium sous un grand. Tout est liquidé. C'est extraordinaire. Donc, il y a une autorégulation dans un milieu équilibré, il y a une autorégulation qui fait que même ces arbres qui viennent d'ailleurs, qui ne sont pas connus de notre flore, de notre faune, sont... Donc, je n'ai... C'est pas ça qui me fait peur. C'est pas une question que je me pose. La question que je me pose, c'est est-ce que, pour revenir à un îlot où je dis qu'il faut pousser la diversification au maximum, c'est est-ce qu'ils seront, et mon idée est que ce soit des compléments à notre flore. Mon idée, ma question, c'est est-ce que dans le climat qui vient, est-ce qu'ils auront leur place, y compris de se reproduire tout seul. Ça, je ne sais pas. J'avoue que ce qui me manque, et qui manque à tout ce que je raconte, mais que d'autres racontent sur le climat qui vient, c'est tout simple, on manque d'expérimentation. On est capable en ville de vous dire qu'on peut faire des tas de choses parce qu'on a des jardiniers en ville qui ont des pépinières, qui plantent, qui replantent, etc. En milieu champêtre, c'est-à-dire là où on vit tous, là, depuis le XVIIIe siècle, lorsqu'on a introduit l'acacia, on n'a plus rien introduit du tout. Ça, s'il y a quelque chose qui me sidère, moi c'est ça. Au XVIIIe siècle, nos ancêtres, là, ils ont mis de l'acacia, qui venait d'Amérique, partout. Tous les départements de France avaient des acacias. Ils en ont mis partout, mais alors avec un enthousiasme totalement débridé. Le premier département de France en matière d'acacia, c'est la Gironde. Ils avaient besoin pour faire le piqué pour la vie. Mais vous en avez partout. Pour les vaches en Bretagne, il y a des acacias. On en a mis partout. Et depuis l'acacia, plus rien. On a perdu les ormes. Tout le monde a dit, tiens, ils meurent. Ils sont morts. Les buis, dans un paquet de régions françaises, il n'y a plus de buis.
Les frênes, il y a des quoi dans l'est de la France. Donc en fait, on a arrêté d'introduire et on voit disparaître ou s'affaiblir quantité d'arbres et d'arbustes. Et on n'expérimente pas en milieu champêtre. Ça aussi, c'est quelque chose. C'est politique. En ville, vous avez quantité de scientifiques, d'urbanistes, de services municipaux, d'argent, qui fait que ben, la ville de Paris, elle plante, elle ne sait pas où planter. Elle a tellement d'arbres à planter qu'elle ne sait pas où planter. Les forestiers français sont très imaginatifs. Leur grand projet, c'est d'amener les arbres du sud au nord. Et un des grands projets, je le dis, ça m'a toujours sidéré, et personne ne dit rien, tellement c'est astucieux, ils amènent des cèdres de l'Atlas marocain dans le Jura. On ne va pas leur dire que le cèdre est un invasif, on ne les embête pas, les forestiers. Ils font des expérimentations, ils disent, tiens, ils poussent mieux que tout dans le Jura. En milieu champêtre, rien. Depuis l'acacia, rien. Et je vous assure, c'est une question philosophique. Pourquoi on ne fait rien en milieu champêtre pour nos foutus arbres? On les voit mourir et on sent. Juste un point, je suis le président du syndicat des propriétaires forestiers du département. Je peux vous dire que la réglementation en matière forestière est extrêmement contraignante. Oui, je sais que ça. Je ne partage pas du tout votre dernier point, mais c'est extrêmement contraignant. On ne peut pas planter des arbres comme on veut, et même l'acacia est. Pourtant, l'acacia a été introduit du temps de Henri IV, hein, donc il a quand même eu une certaine durée, et c'est toujours considéré par la législation forestière comme un arbre invasif et pas un arbre natif. Mais bon, c'est vraiment... Moi, je voudrais apporter un témoignage qui va dans votre sens. Je n'ai pas besoin de micro. En fait, moi j'ai eu le statut agriculteur, parce que je suis agriculteur fonctionnel, et je me suis lancé il y a plusieurs années dans une implantation apiforestière. Et il existe des subventions du conseil régional pour la plantation agroforestière. C'est très à la mode, il y a des associations nationales ou régionales d'agroforesterie. Le problème, c'est qu'ils vous limitent sur les essences. Ils ne veulent exclusivement que des essences locales. Alors j'ai beau leur expliquer, moi je suis agriculteur, que mon but c'est de fournir, de combler les périodes de disette que vous avez pu rencontrer, ils veulent bien savoir qu'on ne va pas introduire des espèces de ornementales, ils n'ont rien à faire dans la campagne, ils n'ont pas compris l'enjeu. Voilà. Donc là vous avez tout beau jour devant vous pour expliquer. Non mais je. Oui, je vous prends mon projet, je le réalise. Tout seul, à début de semaine, les semis, les cultures, à la pêche. Je ne voulais pas aborder ce sujet parce que, en général, je monte dans les tours et je commence à devenir désagréable. Et donc, je vais quand même vous dire ce que je pense sur ces listes officielles de plantes subventionnées et de flore locale. Tout mon exposé, j'ai essayé de vous montrer que le paysage local, c'était une construction historique. On peut remonter aux glaciations, on peut remonter à la découverte de l'Amérique, et on peut remonter à l'arrivée des arbres chinois qui, jusqu'au XIXe siècle, ne posaient absolument aucune question à personne dans ce magnifique pays. Monsieur Villemorin, qui a fait le plus bel arboretum européen au XIXe siècle, il recevait les graines que lui envoyaient tous les missionnaires et autres en Asie, en Amérique, en Océanie, etc. Il a pratiquement importer tout ce qui a fait l'ossature de nos forêts et de nos jardins venus d'ailleurs. C'était une époque où on expérimentait, on regardait et on avait confiance. Et l'acacia, il est arrivé ici en toute confiance parce qu'il fournissait les meilleurs piquets qu'on ait jamais eus. Piquets d'acacia, un demi-siècle de tranquillité dans la ville. Il pousse tout seul, il ne demande rien. On a eu l'orme qui était planté, mais aussi dans tous les territoires français, pour les mêmes raisons, c'était un arbre fourrager, on le plantait comme ça, et on avait des ormes partout. Mon Gers préféré,
c'est la Lomagne, d'ailleurs la terre des ormes. Il n'y avait que des ormes dans les grands villes. Ils faisaient les poutres, ils nourrissaient les animaux et ils supportaient la vigne. Donc en fait, pendant des siècles, on a vécu en toute confiance avec des arbres. Et tout d'un coup, je ne sais pas vous expliquer la logique derrière certaines phrases, tout d'un coup, on a considéré que ce qui venait d'ailleurs, ce n'était pas local. C'était toxique pour les abeilles, j'ai vu ça. C'était... Enfin, j'en passe. Je ne sais pas plus quoi. Alors, ce qui me fascine, c'est que c'est soi-disant scientifique, sauf que ce que je vous ai expliqué, c'est que la flore locale, depuis les années 50, elle a déjà pris un sacré coup d'accordéon, et qu'en 2050, ça va être encore pire. C'est pas moi qui le dis. Ce que disent les chercheurs, c'est que si ça se passe bien dans le scénario 1,5, allez, on va perdre 30% des espèces. Si ça se passe mal dans un scénario à 3 degrés, on va friser les 65%. 30%, ça commence déjà à se voir. Alors 65%, c'est une montagne qui nous tombe sur la tête. C'est ça que... Et donc, face à une montagne qui nous tombe sur la tête, je vous ai dit, on a beaucoup de nos chèvres champêtres en France qui n'ont pas de descendance, et partis comme c'est parti, ils n'en auront jamais, si on ne va pas planter un chêne dessus. Donc, si on considère que c'est les locaux, les espèces locales, qui vont nous sauver, sur quoi on se base, je ne sais pas, peu importe, à partir de quand on est local, mais si on considère ça, on va dans le mur, parce que, je l'ai dit et je le redis, les locaux sont hors-jeu. Ils vont servir une partie du temps à la biodiversité, mais ils sont hors-jeu. Les derniers travaux, les gens qui pensent aux forestiers et autres, les forestiers sont très en avance, ils pensent à l'arbre de l'avenir qui va résister à la chaleur. Mais l'arbre de l'avenir, pour moi, apiculteur, c'est pas l'arbre qui réagit favorablement à la chaleur, c'est l'arbre qui réagit favorablement à la chaleur et qui nourrit la biodiversité. Et qui nourrit la biodiversité. J'ai pas envie qu'on me mette des palmes du Mexique qui résistent à la sécheresse sur tout le territoire. C'est absurde. Donc les forestiers raisonnent bien pour une production forestière. Les urbains qui veulent de l'ombre raisonnent bien pour avoir de l'ombre en face de leur immeuble. Bien. Mais le champêtre qui lui veut raisonner pour avoir de l'ombre, de la résistance à la sécheresse et de quoi nourrir ses petites abeilles, son papillon et ses oiseaux, la biodiversité, il n'y a personne. Il n'y a personne. Et la réponse des conservatoires de la biodiversité qu'on a installés partout dans le pays, c'est de nous établir des listes exclusives pour être subventionnés. Je vous donne la dernière que j'ai lue. Moi, ça m'a fasciné. On est à Bordeaux. Bordeaux a une semaine de l'arbre en octobre, où ils vont mettre plein de pognon pour que les gens plantent. Liste d'arbres conseillés. Ce seront des arbres locaux ou des arbres issus de pépinières forestières sérieuses. Alors, les arbres locaux, ça commence par l'érable opale, Acer opalus. Si vous m'en montrez deux à l'Aquitaine, je vous paye pour voir. Les arbres locaux. Il y en a chez vous. Oui, chez vous. Et. Les forestiers. Alors, arbre local, forestier. Chêne rouge d'Amérique. Noyer noir d'Amérique. J'arrête. Donc, c'est grave pour la démocratie. C'est grave pour la démocratie parce que la biodiversité et notre avenir face au réchauffement climatique est partie sur des bases administratives. Avec des listes subventionnées. Régler un problème dont on ne connaît pas l'ampleur, mais qu'on sait que ça va être grave, pour lequel on manque d'expérimentation, moi je voudrais que toutes les communes de France puissent dire voilà, on a mis un sophora, il a tenu le coup, il y a les abeilles. On y a été. Voilà. J'aimerais qu'on nous montre des exemples concrets, pratiques, qu'on dise là ça marche. Il y en a beaucoup. Les chercheurs n'en font plus parce qu'on leur tape dessus. Donc on a mis des listes, comme on sait faire en France, avec des normes. Et des subventions sur un jeu fermé. Moi, en Aquitaine, je peux être subventionné pour un tétradion parce que la liste occitane, pardon, l'ex-
occitane admet le tétralium dans les plantes locales. Il faut savoir pourquoi. Il va y avoir un gars un jour qui a la viole et il dit tiens, c'est local. Vous êtes dans Lot-et-Garonne, vous êtes sur la liste Aquitaine, vous n'avez pas droit au tétralium. On marche sur la tête. C'est ridicule, c'est risible. Mais c'est plus que risible. Je veux dire, c'est dans 30 ans, on est dans une merde de monde si on continue comme ça. Donc, je suis d'accord avec vous, il y a des listes, mais je pense que, grâce à Dieu, que je sache, on peut encore planter ce qu'on veut dans son jardin, pour que ça dure. Et deux, je pense qu'il faut absolument, mais vraiment absolument, que les gens qui veulent conserver la nature se disent que ce n'est pas conserver la flore qui va permettre de conserver la nature. Conserver la nature, c'est adapter la flore aux besoins de la nature et de la vie animale. Je ne comprends pas qu'on fige un paysage vivant alors qu'il va absolument vers... Enfin, donc, je suis resté calme, mais c'est vrai que... Je vous assure, quand la ville de Bordeaux sort cette liste il y a 15 jours sur Internet. Pour des gens sérieux, à Bordeaux. J'ai écrasé le match. Oui. Il faut s'adapter. Oui. Bon, mais est-ce qu'on ne pourrait pas essayer de changer un peu? Alors, vous avez raison, on peut changer des tas de choses. Il y a quelque chose qu'on ne peut pas changer, c'est le réchauffement climatique. On ne peut pas le changer. On est pas... Oui, mais on est parti quand même pour 2 degrés de plus, je pense, quoi qu'il arrive. C'est parce que... Merci. Et, voilà, le gaz carbonique, il est là, et il est pour longtemps, et on continue à en envoyer, même si demain, on arrête toutes nos... Donc, ça, c'est un impondérable implacable, je veux dire, le réchauffement climatique. La deuxième chose qu'on peut changer, mais ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'il faut être très pragmatique et quand même assez rapide, c'est le paysage. On a tellement, je veux dire, il y a des coins de France, hein, je ne vois pas pourquoi on irait mettre des ruches en Bosse, et, ou dans le vignoble de Champagne. Dire, il y a des paysages de France, c'est aujourd'hui, le paysage ne permet plus de dire qu'on va remettre de la biodiversité. On ne peut pas restaurer la biodiversité. Là, on a tellement simplifié la flore qu'il faut s'y mettre et ça, c'est au moins 10 ans. Voilà, c'est ça. Donc on peut changer. C'est pour ça que j'ai écrit ce livre. J'ai même écrit un autre livre, ça s'adresse au. La viticulture. La viticulture française, le livre s'appelle La vigne et ses plantes compagnes. La viticulture, c'est quelque chose qui en France a toujours été très arboré. Les vignes, il y avait des arbres partout, c'était ouais. Vivant les vignes. On a fait des monocultures, des mères de vignes. Vous allez à Bordeaux, c'est fantastique. Et vous dites, si vous êtes une abeille, vous dites, qu'est-ce que je fous là au milieu? Mais c'est vrai, je prends une abeille, mais j'aurais pu prendre un rouge-gorge. Donc, on a simplifié tellement. Et alors, le but du livre, c'est de montrer qu'on a effectivement raté une marche, comme je dis. On est passé d'un truc extrêmement diversifié à une monoculture absurde. Et je me suis dit, les premiers agriculteurs qui vont comprendre l'enjeu, c'est peut-être les viticulteurs, parce que eux, ce que j'ai dit au début, ils ont vu que la vendange, elle avait avancé dans le monde. Un mois. Ils ont pris un mois, mais surtout, ils ont pris de l'acidité et des degrés alcooliques. Une bouteille, maintenant, si ça ne fait pas 14 degrés, vous avez du mol. Et si vous en cherchez une à 12 degrés et demi, la fête des vins, il faut chercher. Donc, ils ont pris conscience que le réchauffement climatique, c'était un vaste sujet qui risquait de leur foutre leur business en l'air. Enfin, c'est les premiers à s'en rendre compte, mais il y en a d'autres. Oui, tout y passe. Et alors, ce sont aussi les gens qui ont peut-être compris qu'en changeant les cépages, ils font, ils vont chercher les cépages au Portugal, à l'Italie, donc ils font ce que je raconte, on va chercher les arbres tempérés ailleurs, dans les Alpes. Et alors, les viticulteurs, on leur a pas mis de liste. Si, on leur a mis une liste.
Et ils ont dit, c'est ce qu'on doit dire. Oui, pour lancer, mais je n'ai rien fait pour lancer. Si j'ai plus besoin de lancer, je vois autre chose. Donc, ils ont cassé la, renversé la table, si je peux dire. Et maintenant, ils ont des chercheurs qui cherchent des cépages au Portugal. Pourquoi nous, on ne fait pas ça? Là, je parle au nom des abeilles, mais encore une fois, vous avez le départ. C'est pas que l'abeille qui est concernée, c'est les insectes qui dépendent. Le pollen, c'est pour les insectes. Le pollen, c'est. Vous enlevez le pollen, il n'y a plus de vie sur Terre. Voilà. C'est comme ça. Prenons-le comme ça. Il n'y a plus de pollen des insectes. S'il n'y a plus d'insectes, il n'y a plus d'oiseaux. Il n'y a plus de petits mammifères. Et puis je ne sais pas ce qu'on fera dans le milieu. Donc, en fait, le réchauffement climatique, c'est ça. On se coupe des sources de pollen. Alors, la flore locale, je reviens dessus. Quel est le problème? S'ils ne comprennent pas ça, là, les conservateurs et les émetteurs de listes positives exclusives subventionnées, il faut renverser la table. Il faut faire comme les vignerons, qui leur dire, écoutez, je ne veux pas le soleil, mais je plante. Moi, depuis que j'ai écrit ce livre, je milite tout simplement pour éviter les questionnements auxquels je n'ai pas de réponse. Encore une fois, il n'y a pas de chercheurs, d'équipe de chercheurs en France qui expérimentent pour les abeilles, pour les nourrir. Les chercheurs français ont prouvé depuis 2 ans, et c'est leur grand mérite, que le pollen permet aux abeilles de supporter les pesticides et de passer l'hiver avec 30% de réussite de plus que si elles avaient du mauvais pollen. C'est énorme, c'est énorme. Ils l'ont prouvé. Maintenant, il leur reste à faire quoi? À trouver les sources de pollen qui vont, justement, c'est là qu'on arrive. Et je vous assure que le fait qu'il y ait ces listes de végétaux locaux et des contraintes de tous ordres administratifs et autres qui viennent d'on ne sait quel comité bidule font que les chercheurs eux-mêmes doutent de la possibilité de lancer. Prenez votre valise et allez en Chine, ou je ne sais pas, au Mexique, ou ailleurs, allez voir, au Chili. Ils n'osent plus parce qu'ils ont peur de se faire taper dessus. On est quand même un drôle de pays, un peu. Il n'y a jamais eu autant d'écolos, autant de conservateurs de la nature, et autant, aussi peu, pardon, de oui, et puis de confiance. Enfin, planter un arbre, même s'il est tout pourri et invasif, vu le nombre de gars en France qui a des tronçonneuses, il ne va pas être invasif longtemps. Enfin, je veux dire, on marche sur la tête. Se plaindre de l'invasivité d'un arbre dans un pays où n'importe quel agriculteur a 3 tronçonneuses, un tracteur et n'importe quel urbain 3 sécateurs, l'invasif chinois, il a intérêt à venir très très armé. Enfin bon, je m'éloigne. Mais ce que je veux dire, si on n'a plus confiance dans le végétal pour l'avenir, alors là, je propose d'aller à la pêche. Yves, une question, Yves, merci pour cette conférence, toujours intéressant et utile. On a une problématique ici, mais je pense que c'est aussi ailleurs, avec les frottis de chevreuil, qui on s'efforce à planter des arbres, et on dépense beaucoup d'argent aussi avec des protections qui ne sont pas toujours utiles, pas toujours écologiques non plus, c'est souvent du plastique. Est-ce qu'on sortira assez facilement quand les chevreuils ont vraiment décidé de s'en prendre aux arbres? Est-ce qu'il y a une méthode qui marcherait, qui serait un peu plus écolo, éventuellement? Non, là, j'avoue que je passe mon temps en Bretagne et en Gascogne à acheter du fil de fer et des grillages, et je suis obligé d'enfoncer de plus en plus mes piquets, parce que le chevreuil est joueur. Il a compris qu'il pouvait les balancer, là. Il y a un sport chez les chevreuils, ils prennent les grillages et ils les balancent à 3 mètres ou à 4 mètres. Et donc c'est un vrai problème. Non, mais il n'y a pas de solution. En fait, s'il y a une solution, mais... C'est vrai qu'il y a une surpopulation flagrante dans certains endroits de chevreuils. Mais il y a les végétaux, plus ils sont intéressants, ceux-là en particulier, les jeunes arbres,
centres sont extrêmement attractifs pour les... Alors, le tétradium, s'il n'est pas protégé, mais hyper protégé, il passe par 3 mètres, quoi. Il est systématiquement... C'est un vrai challenge, ça n'existait pas il y a 10 ou 15 ans, mais maintenant c'est un... Non, je voulais juste dire que si vous êtes professionnel, la fédération de chasse vous paye 50% de clôture en grillage contre les chevreux. Après, ce n'est pas dit qu'ils n'arrivent pas à passer dessous. Mais c'est au moins déjà cette action-là qui est faite et qu'on fait sur les noisetiers à Monin. Il y en a une centaine de pâtés. Alors, il a été long à mettre, enfin, long à mettre en place, d'abord parce que le Chili est un pays administratif aussi sophistiqué que la France, et pour avoir des subventions, il faut du temps. Donc il y a eu cette partie de mise en route financière. Mais il y a surtout quelque chose que les Chiliens ont fait et que je trouve que l'on n'a pas fait chez nous, c'est que les chercheurs chiliens, pendant de nombreuses années, ont sélectionné parmi leur population de végétaux les plus mellifères, avec un soin particulier pour les qualités mellifères des cultivars qu'ils proposaient dans leur pépinière. Donc il y a eu toute une phase de maturation, d'expérimentation préalable. Je n'ai pas raconté, l'exécution, c'est chaque apiculteur intéressé disait j'ai un, deux, trois hectares à mettre en jeu. Donc il a porté la terre, les forestiers chiliens ont porté les plants et une aide mécanique à la préparation des sols. Avec un problème au Chili, pareil chez nous, de protection des jeunes plants. Et là aussi, il y avait une aide financière pour acheter du protection en plastique ou je ne sais pas. Mais c'est vrai qu'ils ont eu la curiosité de regarder le réchauffement climatique et son effet sur leur flore avant nous, et sur leur flore mellifère. Et la capacité de dire, alors ils appellent ça les arbres supérieurs, c'est-à-dire qu'ils disent qu'il y en a qui donnent plus de nectar que d'autres dans telle et telle condition. Ça demande quand même une sacrée préparation, une sacrée observation, que l'on n'a jamais fait ici chez nous, et que les Coréens font. L'autre exemple d'apiforesterie que je trouve très avancé, sont les Coréens du Sud. Alors là, c'est intéressant à citer. La Corée du Sud a été massacrée par la guerre de Corée. Toutes les forêts coréennes ont été bombardées et remplacées schématiquement par un seul arbre, l'acacia. Donc, les forêts coréennes plantées par les Américains qui avaient gagné la guerre sont des magnifiques forêts d'acacia. Une seule fleur qui souffre beaucoup actuellement du climat. Donc, la recherche des Coréens, c'est une recherche pour diversifier leurs forêts d'acacia. Alors, ils ont commencé par faire ce qu'ont fait les Hongrois, sélectionner les acacias précoces et les acacias tardifs. Ils ont gagné à peu près une semaine à chaque bout, et c'est déjà pas mal. Et surtout, ils se sont mis à chercher dans les populations d'arbres de chez eux, les peuls rotériens, dont j'ai parlé, savonniers, et un autre arbre coréen qui s'appelle l'arbre à raisin. Il est dans mon livre, l'Ovenia dulcis. Alors, je n'en ai pas parlé ici. C'est un arbre dont le pédoncule charnu a un goût de raisin sec. Il a été introduit ici en Europe, en France en particulier, pensant qu'il allait être un fruitier d'avenir, mais ça reste très difficile à ramasser, très modeste. Le goût est intéressant, raisin sec, mais bon, trop compliqué à mettre en valeur, à ramasser. Et surtout, il a une très belle floraison, juillet, très mellifère. Donc les Coréens ont cherché dans les savoyers et dans les arbres à raisin des cultivars mellifères. C'est un des rares exemples sur la planète où les forestiers se sont penchés sur la production de nectar et ont sélectionné des clones plus productifs en nectar pour leurs abeilles. C'est extraordinaire. Enfin, je veux dire, c'est une sophistication de scientifiques dont on est à des années-lumière ici. Voilà. Et pour dire tout ça, pour dire encore une fois que si on y met un peu d'une autre,
que ce soit les scientifiques et les planteurs et les subventionneurs de haies, on peut raisonnablement, je veux dire raisonnablement, adapter notre paysage à ce qui va nous tomber sur la tête. Alors, moi je suis parti sur une idée je me suis limité aux arbres et arbustes pour une raison simple, c'est la résistance à venir. Planter, c'est faire des infrastructures. Si on plante une haie maintenant, c'est pas pour 22 ans, c'est pour 2050. Donc, c'est l'infrastructure. J'ai donc réfléchi sur l'infrastructure. Je reste sur le côté, parce que les arbres, on les avait déjà su, les signes en arrière, on les avait, les arbres, les haies, tout ça, on avait monté pour mettre de l'agriculture, la productive, etc., etc. Aujourd'hui, vous voyez la difficulté qu'il y a pour planter les arbres, des oasis, ou des trucs comme ça. On peut faire mieux. Je sais ce que c'est, parce qu'on en a fait, et puis l'hygiène, il y a toujours quelque chose qui va pas complète. Mais moi, je vois qu'il y a une surface, ces jachères-là, où il n'y a rien de bien faire. Ces bordures d'Audissonard et de ruisseaux, où ils sont obligés, l'agriculteur, de ne pas cultiver ou alors de ne pas faire les produits phytosanitaires, etc. Qu'est-ce qu'on pourrait faire avec ça? Alors, moi, je pensais des plantes de mortier, des plantes de l'espèce. Alors, les céréaliers, ils commencent à planter ce qu'ils appellent des pièges à betteraves, des moutardes, souvent c'est ça, en fin de saison, pour avoir les fleurs à des époques sur les sols. Ça, ça les intéresse parce qu'ils rentabilisent les heures de tracteur qui passent. Là, vous parlez de terres qui sont occupées, les terres qui sont obligées de laisser. Oui, mais. Pardon, oui. Vous parliez tout à l'heure de propriétaires de certaines terres. La chair, ils sont gelés, la fougère, les lunettes, il y a de la. Ils parlent de tasse, voilà, c'est pas le chapelot. Vous avez maintenant ces bases de ces lunettes, sur toutes ces longueurs-là. Ils les ont travaillées, ce procès-là. Mais ça a marché, ce que vous dites, ça a marché quand ça a été subventionné. Si c'est subventionné, les gens vont la brouiller et porter des fleurs. Mais la question que l'on s'est posée, c'est faut-il continuer à subventionner annuellement? C'est ça. Annuellement, il faut labourer, semer, labourer, semer, labourer, semer. Parce que les arbres, les petites fleurettes et autres plantes que vous allez mettre sur vos jachères ou sur vos bancs d'herbe, c'est un coût récurrent. Les seuls qui supportent ces coûts récurrents, c'est les viticulteurs parce qu'il faut qu'ils travaillent leur terre. Donc eux, ils vont mettre du couvert végétal, le replanter, l'enlever. Ils y trouvent leur compte. Mais les autres agriculteurs qui sont sur des marges plus faibles, on va dire ça comme ça. Lorsqu'on subventionne, et ça a été fait, ils plantent de l'herbe, des fleurs, tout ce qu'on veut, mais si c'est plus subventionné, ça leur coûte trop d'argent. Les heures de tracteur pour faire des fleurs, c'est pour ça que basculer sur des subventions à la haie ou à la foresterie, je trouve que c'est plus astucieux parce qu'on fait du long terme des infrastructures. Mais la question c'est. Encore une fois, mettre des petites fleurs le long des fossés, c'est un coût et ce n'est pas forcément un revenu derrière. L'avantage de la haie, c'est qu'on peut imaginer récupérer des branchages, récupérer de. Il y a des communes de Bretagne qui font ça, qui font des haies pour de la biomasse, des haies variées, des sols, des oliers pour de la biomasse. Donc on cherche toujours à combler, à fermer un cercle, c'est vrai que restaurer la biodiversité, ça marche en ville parce qu'il y a une demande politique et donc de l'argent. Restaurer la biodiversité en milieu champêtre, il n'y a pas beaucoup d'argent et on voit que c'est difficile, ça se bâtit. Je crois qu'il y a une solution qui est
des bandes de florales. Donc c'est une obligation, une contrainte. Donc peut-être qu'à terme, si l'Europe faisait ça, un petit peu développer ça au niveau de la France, qu'elle a peut-être des contraintes. À partir du moment où il y a des grands territoires céréaliers avec des gros projets intérieurs, des obligations de les importeurs et non plus de subventions, peut-être qu'un jour on viendra obligé. Je n'ai pas de réponse. Il y a quelque chose qui m'a intéressé dernièrement, et je vous le livre comme je l'ai compris. En région, dans la Beauce, en grande région céréalière, près des grandes villes Paris et satellites, les SAFER, sociétés d'intervention foncière, ont un rôle important dans la transmission des terres. Donc ils ont réussi à sortir du foncier agricole, les délaisser, des surfaces de 1 à 3 hectares qui n'intéressaient pas les agriculteurs. Donc les SAFER préemptent la totalité des terres, gardent les délaissés et rétrocèdent les terres labourables. Les SAFER ont donc un foncier gelé qu'elles peuvent rétrocéder à des forestiers ou à des communes qui vont y faire d'autres activités que de l'agriculture, sous-entendu des plantations à but nature, chasse, apiculture, etc. Et ça, c'est quelque chose qui a été réussi ces dernières années en milieu parisien, mais il faut un peu d'argent pour bloquer ces terres et les sortir du marché. C'est un premier point. Le deuxième point, il faut des acteurs différents. J'ai parlé des aménagements des chasseurs, des apiculteurs, des naturalistes qui vont gérer l'espace qu'on leur met à disposition. Les communes ont la propriété, des acteurs s'occupent de la gestion, maintenance, plantation, on voit pas ce que je sais, et un opérateur vérifie que tout ce monde travaille en bonne entente par rapport à la biodiversité en particulier. Et ce schéma-là est un schéma qui devrait être expérimenté, je pense, plus souvent. Il est suivi en particulier au Japon. Alors, c'est intéressant parce que le Japon est un pays très particulier, zone cultivée, zone sauvage, zone cultivée, zone sauvage. Et les Japonais se sont rendus compte que leur nature sauvage était devenait trop mono-spécifique. Eux aussi ont planté un peu toujours la même chose. Et se sont rendus compte que leur forêt n'était plus aussi diverse qu'elle l'était et qu'elle ne répondait plus tout à fait pas du tout aux attentes des milieux ruraux concernés. Alors ce qu'ont fait les Japonais, ça c'est assez intéressant aussi, ils ont dit les petites forêts, on va déplacer leur gestion d'une grande entité qui serait l'Office national des forêts et les donner aux communes qui elles-mêmes vont rétrocéder la gestion à des coopératives d'usagers, soit qui veulent du bois, des artisans, soit qui veulent mettre des arrêts, des agriculteurs, soit qui veulent se balader en forêt et aller caresser les arbres, c'est un sport japonais. Donc, multiplier les acteurs qui vont avoir la gestion de petits espaces de leur forêt, dans l'idée qu'avec des multiplications d'acteurs, on a des multiplications d'utilités et donc une diversité. Et c'est récent ce programme japonais, et j'ai trouvé que c'était très astucieux parce que, à part le monsieur qui est un forestier, si vous voulez, privé, l'essentiel de notre forêt est ONF, Office National des Forêts. On a la création des offices en France, ça a été une grande chose après la guerre, on en a foutu partout, ou avant la guerre, pardon, on en a foutu partout, et on les a supprimés partout, c'était devenu des monstres totalement. Sauf dans les forêts. On a un Office National Forestier qui s'occupe des forêts de Gavarnie jusqu'à Dunkerque, en passant par. Donc c'est trop, je veux dire, c'est trop. Et les Japonais ont fait le même constat, ils ont dit c'est trop, et ils ont multiplié les opérateurs, les acteurs. Moi je crois, en une période où on parle de biodiversité, la biodiversité c'est la diversité, y compris la diversité des utilités et des acteurs. On ne peut pas faire de la biodiversité avec un seul acteur. Voilà. Ça c'est ma conviction. Et donc il faut démultiplier les rapports que l'on a avec l'espace, notre paysage,
c'est plus les agriculteurs qui font le paysage. Voilà. Pour dire en mots, c'est plus les agriculteurs qui font le paysage. C'est d'autres acteurs qui doivent prendre le rôle. Ça, c'est ma conviction. Et je reviens sur la subvention des haies chez les agriculteurs. Je termine jamais mes phrases, j'arrête. C'est passionnant, moi j'en reprendrai encore. Non. Voilà. Je le dis sans méchanceté pour les agriculteurs, parce que dans ma famille, il y en a beaucoup. Le problème du paysage a été longtemps un problème des agriculteurs parce que c'était. Ils vivaient dans le paysage, ils vivaient du paysage et c'était leur utilité. Les arbres étaient leur utilité. Au jour d'aujourd'hui, mon voisin qui fait du maïs, qui a transformé son maïs en champ de golf, il s'appelle plus le golf que le maïs, je le comprends, il descendait plus de son tracteur. Il faisait du maïs, il descendait plus de son tracteur. Alors lui dire qu'il fallait élaguer le cerisier, le mûrisier, voir si le frêne, machin, il n'avait même plus le temps. Et puis, je le comprends, pourquoi il serait descendu de son tracteur pour arranger un arbre qui ne l'intéresse plus. Donc, on a dissocié des activités traditionnelles du paysage, et notre paysage champêtre, je le martèle, notre paysage champêtre, personne ne s'en occupe. Je vous ai dit qu'on avait introduit la cassière au XVIIIe siècle parce qu'on s'en occupait. Maintenant, personne ne s'occupe du paysage en France. Je suis désolé de vous l'apprendre. Si vous... Voilà. Donc, vous voilà. Oui. Bon, écoutez, ça fait 3 heures qu'on suit avec passion les propos de Yves. Alors, je crois que Yves a encore une fois. Merci, je ne comprends pas. On va laisser la parole le temps qu'il veut, à notre chère mère qui viendra, qui est là-bas, qui approche, ainsi que